Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre nouvelle émission sur Alterna TV. Aujourd'hui, on parle d'enjeux politiques, des enjeux qui impactent évidemment l'avenir et le présent de notre pays. Et on a l'immense plaisir de recevoir pour la première fois sur notre plateau Monsieur Abdelaziz Rahabi, ancien ministre de la Culture et de la Communication notamment, mais aussi diplomate de carrière. Il a été plusieurs fois ambassadeur. Donc, Mrahbabik, c'est Abdelaziz Rahabi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Voilà. Azul, merci beaucoup. Merci. Monsieur Abdelaziz Rahabi, je le disais, est un diplomate de carrière, ancien ministre, ancien ambassadeur d'Algérie au Mexique, en Amérique centrale et en Espagne notamment. On va parler un peu des relations avec l'Espagne qui se sont dégradées ces dernières années. Donc, Cheikh Abdelaziz Rahabi devient ministre de la Culture et de la Communication et porte-parole du gouvernement entre 1998 et 1999. Et il est notamment aussi membre fondateur de la Coordination nationale pour les libertés et la transition démocratique, la CNLTD, en 2014. Et en 2016, deux ans plus tard, il va présider la conférence de l'instance de concertation et de suivi de l'opposition, dite Mazafran 2, en 2019, donc après le déclenchement du Hirak, il va présider les assises de l'opposition pour un dialogue national à Ayn Benyane. La conférence à Ayn Benyane est une des initiatives qui sont issues du Hirak. On va probablement dire quelques mots au sujet des autres initiatives qui sont nées du Hirak. Donc, si Abdelaziz Rahabi, encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à mes amis Lies Djebaili et Kamel de m'accompagner pour poser des questions, Kamel Mokhtfi, poser des questions à notre invité. Merci à tous les internautes qui vont suivre, commenter, partager, je l'espère aussi, le live de cette émission. Donc, bienvenue à vos commentaires, toujours dans le respect. Bienvenue à des questions éventuelles aussi que vous pourrez poser à notre invité, Si Abdelaziz. Pour commencer, Si Abdelaziz, je vous demanderai de nous dresser un portrait général sur les enjeux politiques qui impactent notre pays. On peut parler du Sahel, de la situation au Maghreb, du Moyen-Orient, de la Méditerranée aussi. Je citais le cas des relations avec l'Espagne. Évidemment, du BRICS, dont la demande de la candidature de l'Algérie n'a pas été acceptée. Donc, il y a eu une rencontre du BRICS qui s'est tenue en Afrique du Sud il y a quelques jours de ça. Évidemment, de la guerre en Ukraine. Et aussi un peu de la situation politique qui prévaut de notre pays. Donc, je vous suggère de faire ça en une dizaine de minutes et ensuite on passera aux questions. À tout à l'heure. Je vais pas être long pour permettre au débat de mener cette émission. Je pense que comme je l'ai dit avant le début de l'émission, nous avons un sérieux déficit en matière de formulation de la géopolitique du pays en termes de potentiel, mais aussi en termes de menaces. Parce que la géopolitique ne se détermine pas uniquement en termes de potentiel, mais aussi il y a des menaces, surtout les nouvelles menaces qui ne sont pas seulement étatiques. Au siècle dernier, les menaces venaient essentiellement des États. Aujourd'hui, les menaces peuvent venir de groupes isolés, peuvent venir d'intérêts isolés, peuvent venir des réseaux sociaux. Donc, nous avons une géopolitique qui est tout à fait favorable, mais qui est exigeante. Favorable parce que nous sommes en Méditerranée, nous sommes la porte de l'Afrique, aux confluences de plusieurs mondes, de l'Occident, du Moyen-Orient et de l'Afrique. C'est vraiment une situation géopolitique privilégiée. Nous avons des matières premières, une population jeune et un substrat culturel très diversifié et très riche, ce qui nous invite très objectivement à être une puissance. Ce sont des atouts d'une puissance. L'espace, les hommes, le potentiel. Mais ça demande aussi, c'est exigeant, une situation pareille,
crée des exigences. Les exigences, c'est comment stabiliser, comment protéger une frontière commune avec sept pays qui sont presque tous soit en guerre, soit en précarité économique. Et ça implique une économie puissante, ça implique un appareil diplomatique performant. Ça implique aussi une prise de conscience collective de la société, parce que la question des frontières, c'est des Algériens, ne ressemble pas aux autres peuples. Ce n'est pas un simple tracé matériel des limites entre deux pays. Chez les Algériens, ça a une charge émotionnelle extrêmement importante, qui est due à l'histoire d'Algérie, le fait d'avoir été occupé pendant longtemps. Ça donne une dimension autre qu'une matérialisation de bornes entre deux pays. Il y a un élément aussi qui est très intéressant à discuter dans la géopolitique d'Algérie, c'est que nous sommes tellement soucieux de l'indépendance de notre décision politique ou militaire ou économique que nous ne faisons pas partie d'alliances militaires. Les alliances militaires, c'est une sorte de mutualisation des moyens. L'OTAN mutualise les moyens de l'Occident pour faire la guerre. Pas que l'OTAN, en Asie, en Amérique latine. Nous ne faisons pas partie, et ça c'est notre histoire, notre parcours historique, c'est notre doctrine en la matière, d'aucune organisation, d'aucun système de défense militaire. Donc nous devons utiliser nos moyens et nos seuls moyens pour protéger nos frontières, pour défendre notre pays. Ça pose de sérieux problèmes d'exigence, d'exigence à tout niveau, d'exigence économique. Nous devons nous armer, parce que le pays est très grand. Nous devons avoir un modèle de défense conforme à la géographie du pays. Ça compte énormément. Quand vous avez 6400 km de frontière commune avec 7 pays, c'était le Niger qui est en guerre, ou le Mali, ou la Tunisie qui est dans... elle-même souffre des effets de la guerre en Libye, et puis à une frontière sensible avec le Maroc à raison de la question du Sahara occidental, ça vous donne des obligations. Vous devez développer un système de défense nationale performant, moderne. C'est la mission des armées. On se trompe beaucoup sur cette question, sur ce débat-là. La mission des armées, c'est d'absorber les craintes dans la société. Pour que les gens se sentent en sécurité, il faut que l'armée donne des garanties de sécurité. Nous avons une doctrine qui veut que notre garantie de sécurité nationale, nous ne pouvons la demander et l'avoir que de nous-mêmes, que des Algériens, que de notre propre système de défense. Parce que nous n'appartenons pas à des alliances militaires. Ça, c'est une question qui est extrêmement importante, parce que j'entends ici et là des discussions sur l'armement ou le surarmement de l'Algérie. Un deuxième élément qui est extrêmement important, c'est avoir une économie performante. Ce n'est pas le cas. C'est un atout fondamental de la capacité d'un pays à se défendre. C'est votre souveraineté économique. Le Covid a montré que l'Occident n'a même pas de souveraineté industrielle sur le vaccin, sur la souveraineté économique vous confère un poids politique et diplomatique. Notre souveraineté est altérée par notre dépendance, par la fragilité de notre économie. Elle n'est pas performante, elle n'est pas mondialisée, et elle est bureaucratisée. Et du coup, elle fragilise le système de défense nationale. Ça, c'est, je pense que nous devons ouvrir ce débat-là. Il y a enfin un dernier élément qui est, à mon avis, fondamental. Nous avons un sérieux problème de liberté individuelle et collective. Dans la stratégie d'un pays, il s'agit d'attractivité des systèmes. Si nous voulons que notre système, que notre pays soit attractif, soit considéré, soit aimé, soit respecté, nous devons faire un effort très sérieux en termes de liberté individuelle et collective.
Mais quand je parle en termes de liberté individuelle, il y a la dimension culturelle, il y a la dimension audiovisuelle, il y a la question de la presse, il y a la question du fonctionnement des partis en Algérie, il y a la question de la liberté de l'exercice du culte. Toutes ces questions-là donnent une image du pays. Le pays se nourrit de son image. Et l'image nourrit le pays, bien sûr, quand l'image est positive. Et nous sommes véritablement gâtés par la nature. Nous avons tous les atouts géopolitiques parce que nous sommes producteurs de matières premières, nous sommes producteurs d'énergie. Le pétrole et le gaz ne sont pas de simples produits marchands. Ce sont des éléments structurants de la géopolitique. Ça vous donne un poids, ça vous donne un poids de négociation. Et on l'a vu avec le gaz, avec la guerre en Ukraine, nous avons vu comment les produits énergétiques ont structuré les nouvelles relations internationales. Donc, à mon sens, nous avons une population qui est très jeune, c'est extrêmement important. Et enfin, un élément dont on ne parle pas beaucoup, nous avons une culture immensément riche parce qu'elle est à la croisée de toutes les civilisations de la Méditerranée qui permet d'accéder un peu plus facilement à l'universalité. On entre dans l'université plus facilement quand on est algérien, en raison d'une culture plusieurs fois millénaire, en raison de la démultiplication des langues, de la diversité du pays, de la richesse de la culture. Ça, c'est un atout qui est extraordinaire, ce n'est pas une faiblesse. Une partie des élites chez nous s'efforce de se battre pour une unicité de la pensée. Il n'y a rien de plus suicidaire que de tenir ce langage au XXIe siècle. Je pense que nous avons tous les atouts. Il nous manque une organisation, il nous manque d'être un peu plus rationnel. Il nous manque surtout de ne pas trop compter sur les autres, mais de compter sur nous-mêmes. Ça m'amène à parler de toutes ces questions de BRICS ou pas BRICS. Nous avons développé chez nous en Algérie, je ne sais pas comment d'ailleurs, une propension à s'identifier par rapport au reste. Les succès sont avant tout internes. Mmh. Les succès sont avant tout algériens. Il ne faut pas faire pour les Algériens, il faut faire avec les Algériens. C'est à ce titre que le pays peut se réconcilier avec son histoire, mais peut également définir un projet pour les générations futures. Merci, c'est Abdelaziz. J'aborderai la question du Sahel plus tard, si vous voulez. Oui, tout à fait. On va y revenir à travers nos questions, notamment. Kamel, pour une première question. Ton micro, Kamel, est désactivé. OK. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation, comme l'a dit Sirabah. Donc, c'est un honneur de vous avoir avec nous. Et merci, c'est une émission très... très, très attendu par tous les Algériens. Et il y a des questions de l'heure qui préoccupent beaucoup d'Algériens, qui préoccupent beaucoup nos élites politiques, économiques, parce qu'il n'y a pas de visibilité. C'est le brouillard. Personne ne voit où on se dirige. Nous avons en face de nous un pouvoir qui ne veut pas sortir de son aveuglement, avec cette obsession surtout d'adhérer aux BRICS. Le pouvoir a créé beaucoup d'espoir chez les Algériens. Il a vendu un rêve avec lequel l'Algérien, il se dit, au lendemain de notre adhésion, nous allons régler tout le problème. C'est ça le rêve qui a été vendu aux Algériens. Et nous continuons en 2023 à assister à ce genre de manipulation de l'opinion publique. L'opinion publique, et ce qu'appelle Gramsci l'hégémonie culturelle. Il y a une certaine culture imposée par le pouvoir sur la société qui l'oblige à le suivre, qui l'oblige à se soumettre. Et si nous ne rompons pas cette hégémonie,
je pense que nous allons droit vers le mur, et le mur n'est pas loin, il est à 50 cm de nous. Alors, monsieur Rahabi, avec votre expérience en tant qu'ambassadeur, votre regard de diplomate sur la scène internationale, votre position, votre parcours en tant qu'ancien ministre, vous avez été dans un gouvernement, là où on discute les affaires de l'État, les affaires qui concernent le citoyen, et votre position en tant qu'en politique sur la scène nationale. Est-ce que vous pensez que réellement le BRICS est une solution pour l'Algérie, du moins pour les problèmes des Algériens? Je pense qu'il y a une surmédiatisation de cette question du BRICS et que la déception un peu est à la hauteur de la surmédiatisation, des attentes gonflées artificiellement. Je n'ai jamais pensé personnellement que le BRICS pouvait être la solution au problème des Algériens. La solution au problème des Algériens, c'est en Algérie, entre les Algériens. Le BRICS ou n'importe quelle autre organisation internationale est une opportunité, sans plus. D'autant plus que le BRICS, en fait, est un héritier direct du socle normatif de la pensée algérienne, du nouvel ordre économique prôné par l'Algérie dans les années 70. Or, dans les faits, le BRICS est une organisation économique. La preuve, ce sont plus les critères économiques et d'influence régionale qui ont prévalu à l'invitation de nouveaux membres qu'autre chose. Chaque pays membre du BRICS, cette fois par exemple, les pays du BRICS se sont comportés exactement comme le Conseil de sécurité. Parce qu'ils sont dans une phase, c'est l'âge d'or du BRICS pour les cinq membres. C'est eux qui choisissent, selon leurs propres critères, selon leur propre alliance, à eux, les cinq. Parce que tous ceux qui sont rentrés sont liés directement aux cinq. Qui choisissent les futurs membres du BRICS. Et de ce fait-là, ils se comportent comme le Conseil de sécurité. Aucune résolution ne passe au Conseil de sécurité si elle n'est pas parrainée par l'un des membres du Conseil de sécurité. Permanent. L'un des membres permanents du Conseil de sécurité. Donc les BRICS, en s'élargissant, perdent de leur influence. Les membres fondateurs, en s'élargissant, perdent de leur influence. Parce qu'il fonctionnera selon le principe de l'égalité souveraine des États, c'est-à-dire un État, une voix. Je pense personnellement que l'âge d'or du BRICS ou l'âge d'or des pays fondateurs du BRICS, ça a été Johannesburg. Après, ce sera une organisation comme les autres. Plus elle s'élargit, moins les membres fondateurs auront de l'influence. Elle se réclame de la recherche de la multipolarité. Ça, c'est quelque chose qui a été réclamé par les Algériens dans les années 70. Donc, sur le plan du socle normatif, du socle doctrinal des BRICS, nous n'avons absolument rien à apprendre de ça. La leçon à tirer, c'est que les grandes puissances, même celles qui sont dans le BRICS, ont des alliances à l'intérieur du monde multipolaire qu'ils réclament. Et qu'à ce titre, il ne faut compter que sur soi-même. Il faut avoir une économie performante, pas pour plaire aux BRICS, mais pour améliorer le quotidien des Algériens. Il faut avoir un pays attractif, pas pour plaire aux touristes, mais pour plaire à son propre peuple. Nous avons... Je vous ai dit au début de l'émission, je ne sais pas comment nous avons développé cette propension à chercher à plaire. À chercher à plaire, à se regarder dans le miroir des autres. Regardons-nous dans notre propre miroir. Et puis ce n'est pas vraiment une question fondamentale, être entré ou ne pas être entré. Le prochain sommet des BRICS, il y aura encore 6 ou 7, et dans 4-5 années, il y aura 50 membres du BRICS, ce sera une organisation... comme toutes les autres, je pense que l'Algérie a eu la judicieuse idée d'entrer dans la banque avant d'entrer dans le côté politique. Je pense que ce n'est pas... Nous n'avions pas eu ce débat, par exemple, il y a
plus de 40 ans. C'est faute de débat que nous ne sommes pas entrés dans l'OMC. Mais je tiens à le dire, parce qu'on n'a pas beaucoup... Nous ne sommes pas entrés dans l'OMC, faute de débat interne, faute de pragmatisme. Et après, nous avons fait un accord d'association avec l'Union européenne, un accord de... nous voulons le faire avec les pays subsahariens. Nous avons un accord de libre-échange avec le monde arabe. Et la démultiplication des accords de libre-échange, ça équivaut uniquement, ça équivaut tout à fait à l'entrée à l'OMC. À l'OMC. Nous n'avions pas ouvert de débat. Nous n'avons pas ouvert de débat sur les grands thèmes. C'est le grand thème qui façonne l'Algérie de demain. Je pense que le gouvernement a prêché par anticipation. Mais bon, monsieur Rabhi, monsieur Rabhi, permettez-moi de... Mais moi, je ne me réjouis pas, en tant qu'Algérien, réjouis pas du fait que mon pays n'ait pas été invité à rejoindre les BRICS. Également, nous-mêmes, nous ne nous réjouissons pas de ce revers parce que subi par l'Algérie. Mais la question, c'est que là, la continuité par rapport à ce que vous venez de développer, le débat, c'est-à-dire que aborder les grandes questions qui concernent l'intérêt de l'Algérie, que ce soit sur le plan interne ou que ce soit sur le plan international. Mais le débat, c'est qui va mener le débat? Avec un système fermé, en excluant toute l'opposition, en absence de parlement légitime et élu, en absence de parti politique qui peut soutenir un gouvernement oui. qui ne gère pas avec un parti politique, qui n'a pas de vision, avec des conseillers... qui ne peuvent pas assumer leur conseil devant qui ils sont redevables envers qui, ils sont comptables devant qui, ces conseillers du président. Donc le débat va être mené à quel niveau, par qui et quand? C'est ça la question. Mais nous regrettons tous l'absence de débat. Nous aurions pu construire un pays dès 1962 autour de la fraternité, c'est ce qu'il y avait de plus partagé par les Algériens, le mot fraternité. Nous l'avons fait dans la confrontation. Nous avons eu une histoire de rupture violente. Ce que nous avions proposé chaque fois qu'on se réunissait, c'était de dire arrêtons d'avancer par rupture violente. Peut-on avancer par convergence? Peut-on avancer par le dialogue? Apprendre à gouverner ensemble? Peut-on... Vous ne trouvez pas ces mots dans le discours politique algérien. Convergence, pacte, fraternité, c'est l'histoire de la rupture et du rapport de force. Bouteflika a gouverné par le rapport de force. Il avait le soutien d'armée et des prix du pétrole très élevés, donc il n'avait plus besoin de personne. Et beaucoup de concessions à l'Occident, notamment l'accord d'association que nous avions signé avec l'Union européenne, qui nous coûte en droit douanier chaque année 2 à 3 milliards de dollars, qui n'a pas apporté un seul investissement européen. Il a servi à déverser toutes les marchandises européennes en Algérie, à habituer les Algériens au goût des produits occidentaux, sans plus. Il n'y a pas un seul investissement. Tout le commerce européen en Algérie n'a pas été investi. Parce qu'il n'y a pas eu de débat sur cette question. Il y a eu un débat, c'était pendant les années de crise, quand l'Europe nous avait proposé pour la première fois de signer un accord d'association. Sous Arouel, nous avions eu un débat, je me souviens très bien. Et nous n'étions pas favorables à l'entrée, à avoir un accord d'association avec l'Union européenne. Parce que nous savions que nous n'étions pas prêts, que nous allions être bouffés. C'est toujours inégal, ces accords. Hein. Vous savez, quand ça commence... Vous prenez l'accord qui a été signé entre le Mexique, le Canada et les États-Unis, l'ALENA, en 1993. Il a fait beaucoup de mal au Mexique. Le Mexique a une base industrielle et technologique bien plus développée que celle de l'Algérie. Il exporte aux États-Unis plus de 200 milliards de dollars. Vous êtes pas loin du Mexique et vous le savez. C'est l'absence de débat autour des projets structurants des relations internationales d'Algérie. C'est ça que je regrette. Le président Bouteflika a annulé la dette de certains pays sans informer personne. Et là, ça pose la question du contrôle public de la richesse publique en Algérie.
Parce que s'il y avait un contrôle véritable sur la richesse publique, il n'y aurait pas eu tout le scandale de corruption que nous avions connu. C'est ce que nous regrettons tous. Et dans toutes les démarches de l'opposition, ou bien de la société civile, qui est aujourd'hui complètement neutralisée, aujourd'hui tous les espaces d'expression sont fermés, les partis politiques ne peuvent pas activer, nous-mêmes nous n'avons aucune possibilité d'activer ni d'avoir accès aux médias, et nous ne voulons pas gêner nos amis des médias privés, parce que l'État exerce le contrôle sur les médias privés par le jeu de la publicité. Je suis très à l'aise pour en parler, parce que j'ai été le premier à retirer à l'ANEP le monopole de la publicité en mars 1999. Parce que je savais que c'était un outil qui, en fait, n'encourageait pas... Ce n'est pas un sponsor de la liberté d'expression, c'est un frein à la liberté d'expression. La publicité, c'est un sponsor quand elle n'est pas instrumentalisée politiquement, quand elle fait le libre jeu de l'impact des gens qui sont performants, gagnent de la publicité, les gens qui ne sont pas performants ne gagnent pas de la publicité. Donc, vous savez, nous sommes les premiers à nous plaindre de la situation. Et nous essayons avec ça de garder le contact entre nous, comme force politique, et certains partis politiques. Il y a eu un débat, parce que tout à l'heure, nous avions parlé, M. Jbeil était à venir. Il y a eu un débat de fond pendant le Hirak. Et je pense que je ne suis pas de ceux qui considèrent que le Hirak est un demi-échec ou un demi-succès. Je pense que le Hirak est un investissement sur l'avenir. Parce que c'est une révolution culturelle, forcément, elle s'inscrit dans la pensée politique algérienne pour plusieurs générations. Fallait-il, après le Hirak, entrer dans une nouvelle ère démocratique, organiser la vie politique autour des partis, du mouvement associatif, des médias, de l'entreprise, bien sûr, l'entreprise, ou bien prendre le temps de consolider la stabilité du pays. Je pense que l'option qui consistait à dire il faut arrêter tout et il faut stabiliser et consolider le pays, c'est elle qui a prévalu. C'est elle qui a prévalu. Donc nous sommes encore dans cette perspective en Algérie. Nous sommes encore dans cette perspective. Mais cette perspective elle-même ne peut pas tenir s'il n'y a pas d'espace d'expression en Algérie. Qu'est-ce qui a réuni l'opposition à Mazafran la première fois? J'étais acteur dans cette réunion. Qu'est-ce qui a réuni l'opposition pour la première fois depuis l'indépendance, pour la première fois depuis 1962, l'opposition s'est réunie sans considération idéologique ni des problèmes du passé. C'était le troisième mandat de Bouteflika. C'était l'entrée dans la présidence à vie. Donc, ce sont les excès du gouvernement qui fédèrent les oppositions chez nous. Mazafran, ça a été ça. Mazafran 1, ça a été ça. C'était toute l'opposition a compris que Bouteflika était venu pour ne plus partir, pour installer la présidence à vie, pour installer une oligarchie, pour installer la corruption comme mode de gouvernance. C'est la seule chose qui s'est démocratisée sur Bouteflika, c'était la corruption, parce qu'elle ne touche pas seulement les oligarques, elle touche toutes les franges de la société, de simple agent dans une administration locale jusqu'au plus au sommet de l'État. Je pense que ce débat continue, ce combat continue. Il ne faut pas désespérer de se battre pour quelque chose comme la liberté, ou la justice, ou l'égalité, ou la lutte contre la corruption. Elias, à toi la parole. Merci, Rabah. Encore bienvenue, monsieur Rahabi. Je suis très ravi de vous recevoir une mission alternative. Donc, j'ai bien suivi votre intro, votre introduction. Et j'essaie un petit peu de faire un topo de ma part, si vous le permettez, bien sûr. Je vous ai bien écouté,
tout au long de, en tout cas, du début de cette émission, le problème de l'Algérie, c'est un problème beaucoup plus complexe que cela. Le nœud, c'est un problème de gouvernance. Le nœud qui catalyse les problèmes de l'Algérie, c'est le mode et le modèle de gouvernance en Algérie. Cette gouvernance, vous avez tout à l'heure parlé du BRICS, on va revenir du BRICS. Parce que pour moi, en tout cas, la majorité du peuple algérien, c'est un échec cuisant. Quand on veut faire du BRICS un cheval de bataille pour adhérer au sein d'une institution, au sein d'un organisme, il faut être suffisamment armé, il faut être sûr de ses capacités à aller. Donc ça, on va revenir là-dessus. Vous avez évoqué les foyers de tension tout autour de l'Algérie, l'Est, l'Ouest et le Sud-Est de l'Algérie. C'est-à-dire, nous avons des foyers de tension autour de la frontière de l'Algérie et que l'armée algérienne, que je salue au passage, hein, je salue l'armée algérienne, parce que l'armée algérienne, c'est l'armée du peuple algérien, c'est le patrimoine du peuple. C'est elle qui est censée, qui surveille toute la frontière jusqu'au Libye, le sud-ouest de la Libye, parce que la Libye, elle est aussi en guerre, si j'ai bien compris, et que l'Algérie a été disqualifiée, ou on l'a poussée à la disqualification pour régler le problème national libyen. Non, c'est pas la question. Voilà. Juste. Si on veut comprendre ce qui se passe chez nous en Algérie, la politique en Algérie, si je suis étranger, on vous dit, la première question, c'est quoi la politique en Algérie? La politique en Algérie repose sur ce qu'on appelle un modèle étatique de république unitaire, semi-présidentielle, multipartiste. Depuis 1988, cette république algérienne qu'on appelle République algérienne démocratique et populaire, elle repose sur ce qu'on appelle une démocratie représentative constitutionnelle, sur la Constitution de 1996 qui a été révisée en 2020. En fait, tout ça que sur le papier. Mais en réalité, c'est faux. Parce que si on veut revenir vraiment au cœur du problème, cette Constitution qui a été révisée quatre fois, 2002, 2008, 2016 au bout de Fleka et 2020, quand M. Tebboune est arrivé au pouvoir, elle a été révisée. Nous avons remarqué quoi? Personnellement, nous avons remarqué quoi? C'est-à-dire l'opposition. Elle, c'est ceux qui suivent de près. De quoi s'agit-il réellement? C'est qu'il y a une super concentration des pouvoirs au sein d'un seul homme. L'opposition, le Hirak, a demandé un débat participatif, à la rigueur, une assemblée constituante. En réponse, une révision constitutionnelle. Les juges sont contrôlés. Les juges ne peuvent pas travailler librement, ils sont contrôlés par le pouvoir exécutif. Tous les champs médiatiques sont fermés et verrouillés. Aucune légitimité. Société civile laminée. Toute personne, tout citoyen algérien qui s'exprime de façon pacifique, qui écrit sur son mur Facebook, ainsi de suite, il risque la prison. Pas mal de personnes, des intellectuels qui se trouvent en prison, des journalistes qui restent la voix libre en prison, Hassan El-Qadi, Raouf Farah, Brahim El-Alami, et pas mal d'inconnus qu'on connaît. Et maintenant, on nous parle du BRICS. Le BRICS est un échec sur le plan économique et sur le plan politique. Comment voulez-vous adhérer au sein d'un organisme, quand vous n'avez pas d'économie, quand votre économie est une économie rentière, quand vous importez tout de l'aiguille jusqu'à l'avion. Donc, au fait, c'est que moi, ce qui m'a étonné, M. Rahabi, M. Oui, Lavrov... La question ensuite, Alias. Oui. Est-ce que M. Lavrov, il a dit, pour adhérer au sein du BRICS, il faut avoir un poids géostratégique, un poids économique, une prestance politique. La question est très simple. Est-ce que, un, la diplomatie algérienne va devoir se définir et se redéfinir face à un monde qui change, ou est-ce que, finalement, c'est la fin d'un certain mode de gouvernance qui a complètement phagocyté la société algérienne et qui a complètement anéanti un pays sous forme d'un pays continent comme l'Algérie. Merci, Elias. Faut donner la serre de l'Aziz.
Je pense qu'on a beaucoup parlé du BRICS. Et vous savez, les conditions et les critères d'entrée au BRICS ont été discutés au sein des cinq membres fondateurs. Et il s'est passé ce qui se passe à l'ONU entre les membres du Conseil de sécurité. C'est des alliances, les arrangements et les compromis entre ces cinq. Donc, même les critères d'entrée sont fluctuants. Si on prend le critère économique, il est certain que la Turquie avait plus de chances d'entrer au BRICS que beaucoup de candidats, que de pays qui ont été appelés à y entrer. Si on prend le critère poids géopolitique, incontestablement, l'Algérie, même si elle a une économie fragile, a un excellent poids géopolitique. Est-ce que les questions énergétiques sont fondamentales dans l'entrée au BRICS? Ou est-ce que c'est la géographie? Ou est-ce que c'est la prévention des risques? Je pense que nous ne devrions pas ouvrir un débat sur le BRICS entre nous, Algériens. C'est pas, à mon sens, ce n'est pas déterminant dans l'avenir de l'Algérie. Ce qui est déterminant, c'est d'avoir une économie performante, une armée forte, une diplomatie performante pour pouvoir peser dans les relations internationales. Ce sont les outils qui font de vous que vous êtes influent. Vous ne serez respecté que comme ça. On ne sera respecté et on ne sera considéré à la hauteur de ce que nous sommes, de ce que nous avons apporté dans les relations internationales, parce que quel que soit X, nous ne sommes pas un pays qui a envahi d'autres pays, nous ne sommes pas un pays qui a aidé à la colonisation, nous ne sommes pas un pays qui a déstabilisé d'autres pays. On ne peut pas faire le procès à l'Algérie de ne pas être un pays structurant sur les questions de paix et de sécurité régionale. Je voulais revenir sur un aspect que M. Lies a évoqué concernant les demandes de l'opposition. Il y a eu ce débat, effectivement, sur la question de la constituante pendant l'Irak. Mais il n'y avait pas un accord, y compris au sein de l'opposition. Parce qu'une constituante, ça veut dire que c'est la remise sur la table de tous les documents depuis 62. Et ça, il n'y a aucun pouvoir. Et même l'opposition, à l'époque, on a eu un débat sur ça, en dehors d'un ou deux partis à Alger, le reste de l'opposition n'a pas accepté cette option de tout remettre sur la table, de tout remettre à zéro et de redémarrer à zéro. Et ils ont préféré corriger ce qu'il y avait à corriger. Et vous le savez, comme moi, que les demi-mesures ne font pas des mesures. Pas évoluer avec des mesures de stabilisation, passer la crise et après, on va voir. Effectivement, vous faites le diagnostic que je trouve un peu sévère, parce qu'il y a des forces politiques qui activent en Algérie. Ce qui nous manque, c'est un cadre de débat, un cadre de dialogue, un cadre de concertation. Il nous manque aussi la politique du compromis. Nous avons réussi, dans l'opposition, notamment avec Aïd Bignan et Mazafran, à dépasser les questions idéologiques. Et ça, on n'en parle pas suffisamment en Algérie. Il n'y a plus de débat idéologique. Les questions qui se posent en Algérie se posent sur des problèmes de fond, de liberté, de contrôle de la richesse publique, de justice, des questions de santé, des questions d'éducation. C'est les questions de fond qui font la force et la puissance des États. Il y a une prise de conscience. Je ne suis pas très pessimiste par nature, je suis un optimiste par nature. Peut-être que je suis parfois déçu, mais je redeviens optimiste quelque temps après. Je pense que ça reste des défis à relever. Je sais que nous avons perdu beaucoup de temps, mais je pense que la mobilisation politique doit continuer. Il y a des gens qui sont en prison, il y a des journalistes qui ne peuvent plus écrire. L'autocensure a été élevée en Algérie au rang de culture, parce que les journalistes ne veulent plus prendre de risques. Il y a beaucoup de partis, notamment démocratiques, qui n'arrivent pas à activer en Algérie. Ça aussi,
c'est un constat. Mais il faut aussi être, je pense qu'il faut être vigilant sur le fait que nous subissons aussi des menaces. Ceci n'excuse pas ce que je viens de dire. Cette question de menace réelle sur la stabilité de l'Algérie n'excuse pas les manquements, les questions de gouvernance, que, comme Elias vient de le dire, n'excuse pas les manquements du gouvernement aux règles fondamentales et élémentaires de bonne gouvernance, notamment sur les questions de liberté d'expression, des libertés politiques. C'est extrêmement important. Vous savez, nous sommes une société sur le plan culturel très, très attachée à la liberté et à la dignité. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut que les gouvernants le comprennent, qu'il y a dans notre pays un attachement viscéral, historique, civilisationnel à la liberté et à la dignité. Nous ne sommes pas faciles sur ces questions. Nous sommes intransigeants sur les questions. Il se trouve que les conditions ne sont pas tous réunies. On a eu une excellente opportunité, ça a été le Hirak. Mais nous avons été incapables, pas faute d'avoir fait un effort, incapables de parler d'une seule voix. De parler d'une seule voix au sein de l'opposition, au sein des... Et le gouvernement et les gens qui ont investi dans l'échec du Hirak ont investi dans ça, dans le fait que l'opposition n'apporte pas une plateforme consensuelle. Mais encore une fois, je pense que nous devrions ressortir de ce débat sur le BRICS. Le débat sur le BRICS, moi, j'ai toujours refusé d'entrer dans ce débat avant cette réunion de Johannesburg, parce que je trouvais que le pays s'est mis à une heure complètement, à un débat complètement schizophrénique, présentant les BRICS comme la solution à tous les problèmes de l'Algérie. Ça m'a choqué. Je vous dis encore une fois, je ne me réjouis pas du fait que mon pays n'ait pas été appelé à rejoindre le BRICS, mais je trouvais vraiment exagéré cette mobilisation qui a été confiée malheureusement à des gens qui sont très loin de comprendre les enjeux géopolitiques et des gens qui avaient pour mission de reprendre, de diffuser, à boire. De diffuser. Au niveau du pouvoir politique, bien sûr. C'était d'ailleurs dans la presse publique, dans les médias publics, où il y avait une sorte de campagne tout à fait hystérique tendant à présenter. Il faut tenir compte d'une chose, je pense, dans la géopolitique qui est extrêmement importante. On ne présente jamais une organisation internationale comme une solution à ces problèmes. C'est un, l'aveu d'un échec. Deuxièmement, ça veut dire confier son destin à une puissance étrangère. Parce qu'en fait, le BRIC n'est qu'une addition de puissances étrangères. Le BRIC ou autre chose, hein, le GATT ou l'OTAN, toutes les organisations internationales. Moi, je pense que la solution doit être algérienne, le génie doit être algérien. Si nous devons développer quelque chose de consensuel, c'est entre nous, les Algériens. Si vous permettez juste, je souhaiterais corriger un truc. Regardez l'intervention de la presse algérienne. La candidature de l'Algérie au BRICS n'aura pas été retenue. La presse algérienne tente d'expliquer ce refus par des considérations géopolitiques et économiques, tout en affirmant de la position de l'Algérie comme un pays non aligné. Moi, je ne comprends pas, en fait. Si on voulait rester comme un pays aligné, il ne fallait pas adhérer au sein du BRICS comme la Turquie. La Turquie, septième puissance économique, elle avait toutes les armes pour adhérer au BRICS. Et on nous dit aussi parce qu'il y avait l'équilibre entre les... Il fallait trouver l'équilibre entre les continents, c'est-à-dire en évoquant l'Égypte, l'Arabie Saoudite et les Émirats. Quand on voit un peu, même la presse algérienne, elle tente d'expliquer au fait cet échec. Peu importe, maintenant, je vous rejoins, M. Rahabi. C'est-à-dire,
la non-adhésion de l'Algérie au sein du BRICS ne réjouit aucun Algérien. Aucun, ça je vous le rassure. Mais quand même, regardez la position de la presse algérienne qui tente d'expliquer, de noyer le poisson, si on va dire comme ça. Donc ça, c'est aussi un problème de gouvernance, est un problème de non-transparence. Bien sûr, c'est un problème de gouvernance. Abdelaziz, vous disiez tout à l'heure que vous ne compreniez pas la campagne qui a été menée autour de la demande d'adhésion au BRICS. Est-ce que vous comprenez certaines décisions de la diplomatie algérienne? Je vous parlerai par exemple de la suspension de l'accord de partenariat avec l'Espagne suite au changement du positionnement de ce pays vis-à-vis de la question du Sahara occidental. On sait que c'est l'instabilité autour de nos frontières, au Niger, Mali, du côté ouest, la Libye. Est-ce que l'Algérie avait besoin d'aller jusqu'à suspendre cet accord et de s'isoler un peu davantage, d'avoir d'autres adversaires, d'autres ennemis supplémentaires? Comment vous appréciez la conduite des politiques étrangères de notre pays ces dernières années? Vous savez, je voudrais corriger quelque chose parce que, en réalité, une politique extérieure repose sur trois piliers. Elle repose sur une économie performante, sur une défense nationale forte et sur un appareil diplomatique. C'est ça la politique extérieure, ce n'est pas seulement la diplomatie. Donc, si vous avez un appareil diplomatique performant, c'est qu'il est aussi servi par une armée forte, ce qui est le cas en Algérie, malheureusement pas par une économie forte. Ça pose un problème. Sur la question de la rupture avec l'Espagne, je suis un peu gêné par cette question parce que j'ai été moi-même ambassadeur. Donc, ça, je ne suis pas très bien placé. Paradoxalement, pour parler de ça. En fait, je pense que le tournant, ça a été le fait que les Espagnols, qui sont à ce jour puissance administrante du Sahara occidental, à ce jour, au moment où on parle, c'est le statut qu'ils ont à l'ONU, c'est la puissance administrante du Sahara occidental, la preuve, c'est eux qui contrôlent l'espace du Sahara occidental, entre autres. Et c'est à ce titre que le Sahara occidental a été inscrit dans la 4e commission de l'ONU comme un problème de décolonisation. Et l'Espagne a toujours joué ce rôle de modérateur sur cette question. Une position d'équilibre qui, explique sa responsabilité historique dans la colonisation et dans l'abandon du Sahara, une position d'équilibre qui explique qu'elle est des relations équilibrées avec toutes les parties, la preuve, il y a une représentation du Polisario à Madrid, donc elle avait un peu ce rôle de modérateur, et elle s'est départie de ce rôle de modérateur, historiquement. Je pense que la pierre d'achoppement, ce qui a fait réagir les Algériens, c'est exactement cela. Elle se départit de son statut de puissance administrante, de modérateur, et prend parti pour les thèses marocaines sur le Sahara occidental. Sur la question de l'autonomie seulement, on n'a pas parlé. Changements de position, il y en a eu aussi pour d'autres pays. On peut citer les États-Unis sous Trump, mais la réaction algérienne n'a pas été... Oui, mais nous n'avons pas les mêmes relations qu'avec les États-Unis. Et en plus, je pense qu'il faut relativiser la décision de Trump parce qu'elle n'a pas d'effet juridique sur la question du Sahara occidental, aucun effet juridique. Et tous les gouvernements, la preuve, le gouvernement de Biden qui est venu, s'en est tenu à ça, à la déclaration de Trump de décembre 2021. Et il n'est pas allé loin. Je regrette personnellement que les relations algéro-espagnoles atteignent ce niveau, d'autant plus que je fais partie de ceux qui ont beaucoup investi pour qu'il y ait des relations exceptionnelles entre
l'Algérie et l'Espagne, en raison de la proximité, en raison du fait que, c'était notre premier client en Europe de gaz naturel. Nous avions des projets stratégiques en pétrole, gaz, pétrochimie, tout ça. La responsabilité n'incombe pas à l'Algérie. Je pense que le président Sanchez a manqué de sincérité dans ses rapports avec le président Tebboune, parce que j'ai cru comprendre qu'une semaine auparavant, il avait appelé le président Tebboune pour parler de se féliciter de la position de l'Algérie sur le maintien des contrats d'approvisionnement de gaz à l'Espagne, se féliciter globalement des relations entre l'Algérie et l'Espagne. Dans la même semaine, il avait envoyé une lettre au roi du Maroc pour dire que le plan d'autonomie marocain était la solution la mieux indiquée pour le règlement du problème sahraoui. D'autant plus qu'en Espagne, cette question du Sahara est très populaire, au sein même du parti de Sanchez. L'essentiel, même de la gauche, l'essentiel des comités de soutien au peuple sahraoui vient des municipalités de gauche. Il y a une conscience en Espagne que l'Espagne a une responsabilité dans la colonisation du Sahara et dans son abandon. J'espère que s'il y a un changement de majorité, il faut donner le temps au temps dans la diplomatie, que les choses s'amélioreront avec l'Espagne. Merci. Kamel. Ton micro, toujours. On est allé vers l'Espagne et on est entré en Europe. Ce ne sera pas facile de revenir en Algérie. On va prendre une bouta pour revenir. Donc, on va faire contresens de Haraga. Alors, c'est vrai que quand il avait expliqué que la diplomatie seule, à elle seule ne justifie pas la force d'un pays sur la scène internationale, son armée, essentiellement son économie. L'audiovisuel. La liberté d'expression, l'audiovisuel, donc c'est la vitrine, la communication d'un pays envers l'extérieur. Ça, on ne l'a pas, on l'a raté, malheureusement. On a cassé tout ce qui peut être libre et qui peut porter l'expression du génie algérien, donc communiquer le génie algérien vers l'extérieur. On l'a raté. Mais quand on parle de la force économique, elle est indissociable de la stabilité politique. Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas parler d'économie, parce que l'économie est une vision politique d'abord. La vision politique reste en Algérie actuellement, c'est la vision d'un groupe qui détient le pouvoir. Est-ce qu'ils ont une vision? Je ne sais pas. La vision politique, elle est portée par un parti ou une coalition de partis politiques, donc, qui arrive au pouvoir avec une majorité, au Parlement, avec un exécutif. Et ce sont des choix aussi, on respecte les choix de société. Mais nous ne pouvons pas arriver là parce que nous sommes encore en train de se débattre pour stabiliser le pays. Stabiliser le pays, jusqu'à quand on va arriver à stabiliser le pays et de quelle manière? Donc le pouvoir en place, il vous dit, si je reprends l'expression qui a été dite à Ehsan Qadi, on lui rend hommage aujourd'hui, il est en prison, on lui a dit, je reprends son expression hein, qu'il a dite sur Radio M, restez tranquille, laissez-nous stabiliser le pays, après on va s'ouvrir doucement. Donc, c'est qui va s'ouvrir? C'est qui va stabiliser? C'est qui va s'ouvrir? Nous avons des centaines maintenant d'Algériens. Et d'Algériens, mais quand je les regarde, ça représente c'est un échantillon représentatif de la société algérienne. Il y a des chômeurs, des universitaires, des jeunes, des moins jeunes, des femmes, ça représente toutes les régions d'Algérie. Ça explique le message de terreur envoyé par le système, par le pouvoir. Si vous bougez, vous allez en prison. Donc tout le monde reste cloîtré chez lui, y compris nos élites. Ils ne peuvent pas prendre des initiatives pour discuter de l'avenir de l'Algérie. Alors maintenant, nous sommes dans une situation, on se pose la question d'abord, comment libérer nos jeunes, ces détenus politiques, détenus d'opinion, et les ramener dans leur famille? Comment? Est-ce qu'on va attendre, est-ce que le pouvoir... jusqu'à ce qu'ils s'attendrissent pour qu'ils libèrent ces gens-là. Il y a deux solutions en Algérie.
Il y a deux courants maintenant, deux visions, deux doctrines qui s'affrontent. Construire un front pour forcer le système en dehors du système, c'est-à-dire une conférence en dehors du système qui doit se construire contre ce pouvoir et le ramener à s'asseoir autour du table et à remettre, à redonner à l'Algérie ses acquis, parce que l'Algérie a sacrifié en 1988. Il a acquis en termes de liberté démocratique, en termes de liberté d'expression. Nous avons vécu un recul énorme. Donc, redonner aux Algériens ce qu'ils ont perdu, ce qu'il a repris. Il y a une autre doctrine qui dit nous allons faire confiance aux gens qui sont à l'intérieur du système, qui vont pousser les radicaux à s'attendrir, à libérer un peu pour permettre d'aller vers une transition et impliquer toutes les couches de la société qui veulent s'impliquer dans le développement de l'Algérie. Alors, selon vous, quelle est la meilleure recette? Je sais que vous n'allez pas vous donner la recette, mais on va lancer le débat. On va lancer le débat. Merci. Je voudrais revenir à la question de l'économie. Vous avez posé une question qui est extrêmement importante. C'est la question de l'économie. Les systèmes politiques qui se sont succédés, à l'exception probablement de Cheikh Dib El Jdid, qui n'avait pas une charge idéologique très forte dans son mode de gouvernance. Cheikh Dib El Jdid, ça a été une sorte de rupture avec l'idéologie au sein du pouvoir. Donc, il était un peu décomplexé concernant cette histoire du capital. L'administration algérienne, qui est une réalité. La preuve, le chef de l'État a dit que l'administration algérienne bloque mes réformes. Donc, c'est une reconnaissance tacite que l'administration algérienne est une réalité. Elle a sa logique, elle se nourrit de ses propres besoins, elle se renouvelle pour rester au pouvoir. Le pouvoir réel, c'est l'administration algérienne. L'administration est le principal obstacle parce qu'elle est le produit de la culture politique dominante en Algérie, un grand complexe vis-à-vis de la richesse, la production de la richesse. Ça, c'est un débat qu'il faut peut-être lancer en Algérie. Les Algériens n'aiment pas ceux qui réussissent, n'aiment pas les gens qui sont riches. Ils assimilent tout de suite la fortune avec la corruption. Et Bouteflika est venu confirmer ça. Mais il n'y a pas que ça dans une société. Les gens doivent pouvoir gagner, l'État doit pouvoir avoir les moyens de contrôler la richesse. Il y a un débat à ouvrir sur le lien de l'État, parce que l'État, cet État qui a géré l'économie, qui a administré l'économie pendant 50 ans, qui crée l'emploi, qui donne le travail, qui distribue ou redistribue la richesse, ne peut pas accepter que la richesse soit produite par un tiers. Mais c'est un débat que beaucoup de pays ont connu dans le tiers-monde, mais qui a été dépassé. C'était le débat en Chine, juste après la mort de Mao, c'était le débat au Mexique, c'était le débat dans les pays de gauche dans le monde arabe, c'était le débat en Libye. Mais c'est un débat qui est dépassé, c'est un débat idéologique. Mettre l'économie est doublement otage de l'idéologie et de l'administration. L'administration, ça veut dire corruption. L'administration, c'est corruption, c'est une situation de rente. Parce qu'à l'intérieur de la rente globale, il y a les petites rentes sectorielles. Nous avons ce problème avec l'économie. Il faut poser le problème de fond. Il faut avoir le courage politique de dire travaillez, enrichissez-vous, mais vous êtes contrôlé, vous payez vos impôts, vous payez vos ouvriers, vous payez les cotisations et vous remboursez les prix que vous avez pris sur la banque. Et c'est un discours à tenir aux Algériens. Et nous avons un sérieux problème aussi, peut-être qu'il faut en parler, c'est le problème des subventions qui atteignent les 24-25 milliards. C'est un problème qu'il faut poser. Ce n'est pas toujours rationnel. Quand on subventionne le produit
on ne subventionne pas les catégories sociales, ça donne une économie comme ça. C'est-à-dire, si on subventionne l'essence ou l'eau ou le pain, on le subventionne pour tout le monde. Pour celui qui gagne 20 000 dinars ou celui qui gagne 300 000 dinars, il paye le même prix. C'est-à-dire, la subvention touche le produit, mais ne touche pas les catégories. Ça pose un problème de fond. Il faut probablement trancher ça. Comment réformer l'université? Ça pose un problème de fond. Il y a beaucoup de résistance à la formation d'université. Des programmes, des conditions d'accès à l'université. Il y a des sujets qui ne devaient plus être des sujets tabous. Parce que l'État-providence, je suis favorable à l'État-providence. Je suis le pur produit de l'État-providence. L'école publique gratuite, la santé gratuite, les produits subventionnés. Mais il faut que ça touche, il faut que ça touche les gens les plus fragiles d'entre nous, ceux qui vivent dans la précarité. Il y a une profonde injustice dans le soutien des prix. Sur la question des droits de l'homme, vous connaissez bien mon point de vue sur la question des droits de l'homme. C'est la cause de toute ma rupture avec l'État que j'ai servi avec fidélité et engagement. C'est ces questions c'est des questions de liberté. Moi, je suis un homme de liberté. Je crois en liberté parce qu'elles sont consubstantielles à la personnalité de l'Algérien. Des libertés. Je regrette, et j'ai même fait des démarches auprès des plus hautes autorités algériennes pour pouvoir libérer certaines personnes sur les questions, bien sûr, de la liberté d'expression, de la liberté de manifestation, de la liberté de réunion. De cette liberté d'être algérien, c'est ce qui caractérise l'Algérien. Comment s'organiser? Vous savez vous-même qu'il est très difficile de s'organiser quand les espaces d'expression sont fermés. Les partis politiques, vous connaissez, vous le savez très bien, vous avez milité dans un parti politique, ne peuvent pas se réunir, ne peuvent pas faire des universités d'été, ne peuvent pas organiser des colloques. Il y a des villes où il n'y a plus aucune activité, comme Béjaïa. Plus aucune activité à caractère politique, culturel ou social. Tous les espaces politiques sont fermés. Ça aussi, c'est une réalité qu'il faut dénoncer. Faire organiser les partis politiques ou les forces politiques, ce n'est pas très facile. J'ai eu une expérience en la matière avec Aïn Benyen, avec Mazafran. C'est extrêmement difficile de le faire dans les conditions actuelles. Mais je pense que, personnellement, que le gouvernement se trompe dans cette façon de faire. Parce que, qu'est-ce qu'on a eu comme situation en Algérie? C'est que la fermeture de champs médiatiques et politiques et sociales a favorisé l'émergence d'une opposition à l'étranger. Elle a favorisé l'émergence. Je ne sais pas si on peut l'appeler opposition, mais de voix discordantes dans les réseaux sociaux. Il y a une sorte d'offshoreisation de l'opposition. Et un effacement total de l'opposition interne. C'est pas comme ça que ça se passe. Généralement, c'est Abdelaziz Rahabi quand il y a une fermeture à l'intérieur du pays. Ouais, ça se passe comme ça. Nous avons reproduit le schéma des années 70. Nous avons reproduit le schéma dans les années 70 quand l'essentiel de l'opposition algérienne se trouvait à l'étranger. Parce qu'à l'étranger, vous avez accès aux médias, vous avez la liberté d'intervenir ou bien de créer des chaînes de télé. Et du coup, les Algériens transfèrent leurs préoccupations à l'étranger et débattent de leurs préoccupations à l'étranger. C'est ce que j'ai appelé, moi, une sorte d'opposition offshore qui a été créée par ce qui me semble être tout à fait une erreur du gouvernement de fermer des espaces en interne. Mais ça aussi, moi, j'ai le privilège d'être avec vous
ce matin. Nous le faisons à partir du Canada, avec un invité de Paris, je suppose, Liens. C'est déjà le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Nous ne pouvons pas parler de nos problèmes à l'intérieur du pays. Il faut se poser des questions sur ça. Mais c'est en même temps un avantage parce que nous n'avons pas perdu connexion avec l'Algérie. Donc même si nous sommes... Non, c'est un avantage. Et moi, je m'en félicite. Et la preuve, je suis avec vous. Je n'ai pas... Ce n'est pas un reproche que je fais à... Je fais au gouvernement. Aux autorités, oui. Vous auriez pu exister en marge d'une opposition en Algérie, ce n'est pas... C'est ce qui s'est fait durant l'année de 2019. Serhabi avait des canaux ouverts en Algérie. Il y avait la solidarité des Algériens de la diaspora qui s'est exprimée aussi en parallèle. Mais la diaspora a le droit de s'intéresser, de s'inquiéter du destin de son pays. Elle n'a pas moins de droits que ceux qui vivent en Algérie. Merci. Elias. Moi, je reviens, M. Rahabi, toujours à la question centrale. C'est un problème de gouvernance. C'est une gouvernance par la force. Je dis bien par la force et je pèse mes mots. Nehru, en 1956, il a envoyé un signal à l'occupant français. Je ne sais pas si c'était à la Coste ou Louis de Broglie, lui disant qu'il est impossible de résoudre le problème algérien par la force. C'était en 1956. Je ne peux pas vous dire est-ce que avant ou après le congrès de la Soumam. En tout cas, c'est le journal Le Monde, octobre 1956. Il envoie un signal, on ne peut pas gérer, on ne peut pas résoudre un problème par la force. Du jamais vu, peut-être on peut le gérer sur le court et moyen terme, mais sur le long terme, c'est intenable. Donc le problème de l'Algérie, c'est une gouvernance par la force. Je dis par la force, c'est parce que par la force de la puissance publique qui impose un modèle économique, qui impose un modèle social. Donc toutes les dimensions politiques, sociales, tout est imposé. Revenons au fait au Hirak. Le Hirak, c'est vrai, c'est pas un échec. Il y en a qui disent c'est une action non aboutie et d'autres qui disent comme moi c'est une action qui va aboutir tôt ou tard parce que forcément il doit y avoir une alternative par rapport à ce régime. On ne peut pas gérer de la sorte un pays de 45 millions d'habitants, on ne peut pas avoir des chèques cuisants, non seulement des BRICS, on avait du mal à négocier avec l'OMC, on ne sait pas on est arrivé à combien de rounds, la réforme de l'école, la réforme de l'université, même quand vous voyez un petit peu, vous voulez analyser le budget de l'État qui a été voté, le plus grand budget depuis 62. 94 milliards de dollars. Je ne sais pas comment on va financer ce budget. Forcément, est-ce qu'il va être financé par la planche à billets, dont 23 milliards réservés rien qu'à l'armée. On essaye de savoir, 23 milliards, est-ce que c'est des armes offensives ou est-ce que c'est des armes défensives? Nous savons très bien que les Russes même nous vendent que des armes défensives, que pour se défendre. Je m'en réjouis, bien sûr. Mais 23 milliards, uniquement une allocation qui est alloué à l'armée, alors que l'école, alors que le manque d'hôpitaux, la réforme de la santé, le projet de la santé, les infrastructures, les réseaux divers, les assainissements, les villages qui sont pas pourvus par l'eau potable. Quand on a vu les incendies récemment en Kabylie et dans l'est de l'Algérie, non-présence des Canadairs, on nous dit peut-être ceci parce que la société en faillite. Mais peu importe qu'elles sont failles, vous pouvez faire du leasing, c'est un problème de gouvernance. Et je dirais peut-être, cette gouvernance, c'est une gouvernance militaire, la façade, elle est civile. Est-ce que Tebboune, il est capable de résoudre le problème? Ou est-ce qu'on lui dicte une feuille de route à laquelle il ne peut pas la tenir? Qui gouverne l'Algérie? Quelle est la solution pour l'Algérie? Comment remédier au problème de l'Algérie? Ça fait 4 ans que nous militions aussi bien à l'intérieur qu'à l'étranger. Et je tiens personnellement à rendre hommage à tous les opposants et à tous les militants politiques qui sont donnés pour donner cette expression de liberté. Vous parlez tout à l'heure que l'Algérien est libre, parce que nous sommes gouvernés dans notre tête par la liberté et la dignité, M. Rahabi. Dans la Constitution allemande, vous savez très bien, après la Seconde Guerre mondiale, la constitution allemande comme la constitution japonaise nippone sont considérées comme les constitutions les plus pacifiques au monde.
l'article 1, qu'est-ce qu'il dit ? La dignité de l'être humain. Moi, je me pose la question, il est où la dignité de l'Algérien ? Quand on voit des harragas qui traversent la Méditerranée, qui prennent le beauté, comme on dit, le jargon. Moi, j'ai rencontré des harragas comme ça, au détriment de leur vie qui sont arrivés, qui arrivent, et aucun sentiment, je veux dire, aucune attention du régime ou du gouvernement pour ces Algériens qui sont démunis. La réforme de l'école, l'économie rentière, le tissu social algérien est complètement détruit. Et on nous parle du BRICS, c'est-à-dire, il faut dire la vérité, qu'on ne voulait pas du BRICS, même l'Inde, apparemment, elle a voté pour ou contre, je ne sais pas, même la Russie qui a choisi l'Iran, d'autres pays qui ont choisi d'autres pays parce qu'ils ont leur alliance, mais l'Algérie se trouve, je veux dire, démunie, dépourvue. On n'a aucune alliance. Nous avons passé notre relation avec l'Espagne, la France, nous avons des relations, moi je t'aime, moi non plus, les relations sont très exécrables. Nous, les relations avec le Maroc aussi sont exécrables. Les relations avec tout le monde, complètement, on est dans une position isolationniste. Et qui trime derrière ? Ce n'est pas le régime, ce n'est pas le gouvernement, c'est le petit peuple. C'est le petit peuple qui souffre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le peuple soit libre, doit être libre, doit vivre librement dans son pays. Quel est maintenant ? Je finis, monsieur Alain. La question, quelle est la solution à apporter pour des personnes comme monsieur Rahabi qui a une certaine vision politique sur ce pays, comment remédier au problème algérien à l'instant T? Merci. Il a évoqué encore une fois le Hirak, il a raison. Je vais faire le lien entre le Hirak et la géopolitique, puisque le thème c'était la géopolitique. Quand le Hirak a commencé, il y a eu une levée de boucliers contre le Hirak. Et si vous avez peut-être constaté, le Hirak a très peu été couvert par la presse mondiale. Très peu, très très peu même. Au Canada, en Amérique du Nord en général, les gens avaient peur du Hirak parce qu'ils pensaient que ça allait amener les islamistes au pouvoir. C'est ce qu'ils disent. Dans les pays du Golfe, on avait peur du Hirak parce que le succès du Hirak, le modèle de société qu'il propose est un modèle très attractif, très démocratique, très transparent. Donc, ça risque de représenter une menace pour tout le monde. Le niveau des libertés collectives et individuelles dans notre espace géopolitique au sud est très faible. Donc, le succès du Hirak pouvait constituer, en raison, je dis encore, de son attractivité, l'attractivité du projet présenté. Donc le Hirak n'a pas été combattu uniquement par l'aile radicale du pouvoir, il a été combattu par l'étranger aussi. Il y a peut-être moyen de réfléchir à ces questions, dire pourquoi le Hirak a-t-il fait peur aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest. Il n'a pas fait peur aux Algériens, c'est tout, parce qu'ils savaient ce que c'était, ils savaient ce qu'ils voulaient. Mais il a fait peur au reste du monde. Moi, vous m'avez donné l'occasion de parler de quelque chose dont on parle beaucoup ici. En général, on trouve ces questions au sein du corps diplomatique ou bien dans la presse occidentale. Cette histoire du chef de l'État et son lien avec l'armée. Pas d'après ce que mon expérience, l'exercice des fonctions publiques. Le système algérien, le chef de l'État, a toute l'autorité sur l'armée. Ce n'est pas seulement une autorité constitutionnelle. Je vais vous faire un rappel historique, parce que souvent c'est vrai, comment la décision politique ou stratégique est prise en Algérie, ça c'est une question que beaucoup de gens se posent, mais aucun pays au monde ne vous dira comment il prend ses décisions politiques et stratégiques. Ça relève des compétences exclusives des États qui se protègent, qui protègent le processus de prise de décision. Pendant les négociations d'Évian, et là, c'est une occasion pour rendre hommage au GPRA qui est d'une extraordinaire modernité, le fonctionnement du GPRA,
né en 58, mais il se comportait comme un État très moderne. Il avait, sur certains aspects, plus que modernité que l'État d'aujourd'hui. Le GPRA a discuté les accords de Lyon avec les Français contre l'avis de l'État-major de l'armée. Il était connu que Boumediene était contre la discussion des accords de Lyon, contre les accords de Lyon. Donc, c'est l'autorité du politique, et ça, c'est une réalité en Algérie. Dans le système politique algérien, qui n'est pas semi-présidentiel, c'est un système depuis 1962. Les formes peut-être changent selon les constitutions, celle 96 ou bien la dernière, ou bien celle 89 de Chédi, ou bien celle 67. Les formes changent peut-être, mais en fait, c'est un pouvoir présidentiel, de nature essentiellement présidentialiste. Donc, toute l'autorité est entre le chef de l'État, qui a une autorité sur l'armée, qui a une autorité sur le gouvernement, et qui peut donner un rythme aux réformes. Si le président veut lancer des réformes politiques, il leur donne un rythme déterminé, il peut le faire. Il a la volonté. S'il a la volonté, bien sûr, il le fera. Chedli Ben Jdid, dans la Constitution de 89, a ouvert le jeu politique, création de partis, création de syndicats, création de journaux et tout ça. C'est 89. C'est une décision personnelle de Chedli Ben Jdid. J'ai eu une très longue discussion avec lui sur ces questions-là. Très, très longue discussion pour comprendre s'il avait subi des pressions, si d'autres l'avaient fait à sa place, ou si ça avait été suggéré par l'étranger, comme beaucoup de journalistes l'ont écrit. Eh bien non, c'est un homme qui, en son âme et conscience, a réfléchi. Il est dépourvu de charge idéologique, ça l'a beaucoup aidé. C'est pas un homme très empreint d'idéologie, mais il a poussé la chose très loin. Il a créé une dynamique historique bien avant la chute du mur. Bien avant, quelques mois avant la chute du mur. Et ça, c'est le président de la République dans le système politique algérien a tous les pouvoirs. Il a toute l'autorité sur son armée. Je pense personnellement, et je le dis en toute liberté, comme je l'ai toujours dit, ce débat sur les liens président et son armée n'a pas lieu d'être. Quand le président veut engager des réformes, il les engage, quelle que soit la nature de ces réformes. Le problème qui se pose en Algérie, c'est la formation de la décision. C'est-à-dire parce qu'il a posé la question de la gouvernance. Dans la gouvernance, ça veut dire que la décision politique ou économique participe essentiellement de la volonté populaire. C'est-à-dire on consulte l'Assemblée nationale, on consulte les députés, on consulte les experts. Il y a un débat, il y a une remontée d'informations de la base vers le sommet. C'est ça la gouvernance. Les contre-pouvoirs sont activés, les syndicats, la presse, les experts, le patronat, les organisations. Puisque vous avez évoqué l'Allemagne qui a produit ce principe de l'état de droit. Mais dans la conception allemande de l'état de droit, c'est le respect du droit par l'État. Moi, je suis le citoyen. C'est à l'État de se conformer au droit. Or, chez nous, nous avons vu des chefs d'État violer les constitutions. La constitution de 1996 du président Liam Bitzerwell, qui limitait le mandat à deux, a été violée par un bout de frère. Il se lève le matin, il change la constitution et il réintroduit en Algérie la présidence à vie. Je pense que la responsabilité des partis et la responsabilité des élites a commencé là. Mais malheureusement, il faut le dire, nous étions très peu nombreux à compter sur les doigts d'une seule main, à nous soulever contre le changement de la Constitution, à la violation de la Constitution et la réintroduction de la présidence à vie. Imaginez un pays qui a un parcours, qui a une expérience, qui arrive à une situation, j'ai été associé un peu à cette constitution de 1996,
qui arrive à une situation où il dit la présidence à vie nous a coûté une crise politique et sécuritaire, parce que la présidence à vie dupe la corruption, dupe le régionalisme, dupe le clientélisme. Il faut en finir avec la présidence à vie. La tendance mondiale, ce n'est plus à la présidence à vie, c'est à la limitation des mandats. Et on fait une constitution en 1996 qui limite les mandats à deux. Vient Bouteflika, fort du soutien des partis politiques, d'une partie de la presse, d'une partie de la société civile, des syndicats et surtout du chef d'état-major de l'armée, change la constitution, réintroduit la présidence à vie. Mais c'est comme ça qu'on recule dans la gouvernance. Quel est le message qu'on envoie à la société? Quel est le message qu'on envoie aux acteurs politiques? Quel est le message qu'on envoie aux étrangers? C'est que l'État n'est pas un État de droit dans la mesure où il ne respecte pas les lois, dont la loi fondamentale, qui est la Constitution. Mais monsieur Al-Habi, dans la nouvelle Constitution, c'est-à-dire la Constitution de 2016, qui a été révisée, c'est-à-dire qui devient la Constitution de 2020, il y a un article 30, alinéa 4. Article 30, alinéa 4 de la Constitution algérienne de 2020. Je vous le lis, monsieur Al-Hadi. L'armée nationale populaire défend les intérêts vitaux et stratégiques du pays conformément aux dispositions constitutionnelles. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, pour un citoyen simple, c'est que l'armée nationale algérienne n'a pas besoin d'un aval du Parlement qui est élu de façon démocratique et peut décider de faire ce qu'elle veut. Non, vous savez, je ce n'est pas... Pardonnez-moi, c'est toujours, je profite de la question de l'IS parce qu'il y a un ami qui nous a écrit sur le même sujet. Il nous informe que vous auriez proposé en 2020 au comité d'experts qui était chargé de réviser la Constitution d'écrire que l'armée doit être la gardienne de l'ordre constitutionnel. Oui. Pourquoi avoir proposé une telle chose? Est-ce que ce n'est pas ouvrir la voie à un rôle, c'est-à-dire à des coups d'État, comme on les a vus par exemple en Égypte et en Amérique latine dans les années 80, dans les années 70? C'est un principe constitutionnel, votre ami a bien fait de souligner ça, mais je n'ai pas proposé que ça, je peux vous dire aussi ce que j'ai proposé. C'est un principe qui existe dans presque toutes les constitutions du monde, ce sont les forces armées qui sont garantes de l'ordre protégé. Puisque vous avez parlé de l'Allemagne, j'ai un peu une expérience d'Allemagne parce que j'ai servi mon pays là-bas. Les services d'intelligence ont appelé service de protection de la Constitution, BND, service de protection de la Constitution. Parce que l'ordre constitutionnel, dans tous les pays du monde, est protégé aussi par les armées. Mais les armées reçoivent les instructions du chef de l'État. Les armées, et ça dans toutes les constitutions, sont sous l'autorité du chef de l'État, dans la mesure où le chef de l'État est chef suprême des forces armées. Donc, il ne faut pas rester à ces détails-là qui sont d'ordre constitutionnel tout à fait normal dans toutes les constitutions du monde. Il faut juste relever que l'armée est sous l'autorité politique du chef de l'État. Et c'est ça le point dans toutes les constitutions du monde. Puisque je profite de la question de notre ami, j'ai également proposé, parmi les propositions faites au président de la République, je trouvais la Constitution trop longue, trop détaillée. Je proposais également qu'il y ait un seul mandat de 6 ans ou de 7 ans. Pas de deuxième mandat. Je l'ai proposé. Je proposais aussi que notre pays s'appelle République algérienne. Parce qu'en 1958, on s'appelait comme ça. Le gouvernement provisoire de la République algérienne s'appelait GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne. Démocratique et populaire, ce sont les démocraties populaires du camp socialiste qui ont complètement disparu, la Roumanie, la Bulgarie, l'URSS, c'est ce qu'on appelait les démocraties populaires. Nous sommes restés la dernière démocratie populaire dans le monde, avec deux autres pays. J'ai proposé des mesures concernant les partis, considérer les partis comme
une entité constitutionnelle pour lui permettre de travailler et que les contre-pouvoirs apparaissent dans la Constitution. Et encore, en Algérie, vous savez bien que ce n'est pas la Constitution le problème, c'est la volonté politique. La Constitution fixe le cadre d'exercice de tous les pouvoirs, crée un équilibre entre les pouvoirs. En réalité, le secret dans tout ça, c'est quoi? C'est passer de cette conception très vieille, très française, du 19e siècle, de séparation du pouvoir, à une conception d'équilibre des pouvoirs. Aucun pouvoir ne doit dominer l'autre. Comment arriver à créer un équilibre entre tous les pouvoirs? C'est cet équilibre qui crée l'équilibre entre les institutions, l'équilibre dans la société. Et l'exercice est très délicat. Pourquoi? Parce que les chefs d'État dans des pays comme le nôtre n'aiment pas les contre-pouvoirs. Pourquoi en Algérie, on n'aime pas la liberté d'expression? Les dirigeants n'aiment pas la liberté d'expression. J'ai une petite expérience en tant que porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication. Parce que la liberté d'expression, étant la presse devient un contre-pouvoir, peut dénoncer des scandales, peut être porte-parole des pauvres, peut être porte-parole des gens mahgourins, peut publier des scandales. Et on a peur de ça. Parce qu'on n'a pas la culture de... on ne rend pas compte en Algérie. Le gouvernement ne peut pas concevoir de rendre compte aux juges. Ou bien, là, on revient aux règles de la bonne gouvernance. C'est comme ça que la justice est instrumentalisée, que la presse est bâillonnée. Parce que les gouvernants ne veulent pas rendre compte. Ne veulent pas qu'on contrôle l'usage de l'argent public. Comment se fait-il que Bouteflika ait pu annuler la dette de 400 millions de dollars de l'Irak sans consulter personne? C'est de l'argent public. Dans d'autres systèmes, ils n'auraient pas pu accorder la dette, comme ils n'auraient pas pu l'annuler. On n'accorde pas la dette d'un pays plus riche que vous. On a annulé même la dette de l'Éthiopie qui est rentrée au BRICS avant nous. Pour vous dire que seulement qu'il y a des décisions qui sont liées au contrôle de la richesse publique. Le contrôle de la richesse publique doit appartenir aux représentants du peuple. Ça, c'est des questions également de gouvernance, qu'on appelle aussi la transparence. Je pense que le texte ne vaut que par la volonté des dirigeants. Mais Monsieur Habib, ne pensez-vous pas que toutes ces lacunes viennent de l'approche elle-même dans la construction de ce contrat national, de ce pacte national qui s'appelle la Constitution? La façon, c'est une approche par proposition. Après, le pouvoir, il décide de quelle proposition retenir, quelle proposition accepter, quelle proposition mettre dans la Constitution. Le problème, regarde la Constitution de 1996, elle a été construite de la même façon, avec des propositions, avec un pouvoir centralisé qui décide quoi prendre, quoi considérer, quoi ne pas considérer. Et finalement, un autre pouvoir, il vient, il la viole comme il veut. Oui. La Constitution de Tebboune, la même chose. Donc, vous avez fait l'effort de proposer, mais il n'y a pas ce contrat moral que le pouvoir doit avoir avec la société qui a participé, consenti des efforts pour élaborer une constitution. C'est ça le problème. Si le peuple, avec son opposition, avec toutes ses élites, était impliqué, le pouvoir demain aura de la misère à toucher un article dans la constitution sans revenir au peuple, sans revenir aux élites qui ont fourni des efforts. Donc, au niveau, c'est un jeu auquel on s'est livré, mais finalement, c'est un piège. Ne pensez-vous pas que c'est un piège à la prochaine constitution? Moi, je ne ferai pas. Je ne donnerai aucune proposition parce que c'est un jeu. C'est un jeu. On est resté dans la bonne volonté des gens au pouvoir, s'ils veulent prendre nos propositions ou pas. Et donc, on a créé une certaine tradition de faciliter l'amendement de la Constitution comme ça. C'est comme si c'était un texte banal qu'on touche. Juste. Alors que, juste. Oui. Juste. C'est très juste. On a trop touché aux constitutions. Le terme utilisé par Cheddi Ben Jdid contre Bouteflika a réintroduit la présidence ariste, tripatouillé.
On n'aime pas les gens qui touchent trop aux constitutions. Les textes fondamentaux doivent être l'expression d'un consensus national, doivent être l'expression de la représentation nationale, ça, de la volonté du peuple, des préoccupations du peuple. Et ça dure dans le temps, on n'a pas besoin de les changer régulièrement. Je ne sais pas si le président a pris en compte les propositions, les miennes n'ont pas été prises en compte. Je comprends parfaitement qu'on ne puisse pas prendre toutes les propositions en compte. Mais moi, je suis favorable à ce que la Constitution contienne beaucoup de dispositions sur les contre-pouvoirs. Le contrôle de l'exécutif. Il faut que dans l'équilibre de ces pouvoirs apparaisse le contrôle de l'exécutif par les représentants du peuple. Il faut que la personnalité du président ne soit pas quelque chose d'inviolable et d'intouchable. Ça, c'est un problème de fond. Ça se posera toujours en Algérie. Je ne sais pas quand. La question qui se pose, maintenant qu'on a expérimenté toutes sortes de façons de cuisiner une constitution, quelle est la meilleure façon de la rendre stable? Quelle est la meilleure façon de concevoir une constitution? Selon vous, quelle est la meilleure stratégie pour élaborer une constitution qui va être pérenne et inviolable et qui doit être amendable difficilement? Elle ne doit pas émaner des pouvoirs publics. La constitution doit être le produit d'un accord politique global, d'un consensus. Il y a plusieurs formes. Il y a ceux qui font passer des constitutions, elles peuvent émaner de l'Assemblée nationale. Donc, c'est là où il y a la représentation populaire. Encore faut-il qu'il y ait des élections transparentes et régulières. Mais elle doit être l'objet d'un consensus politique, de consultations très larges, prendre son temps, prendre une année pour faire une constitution. Et moi, je suis favorable aux constitutions qui ne sont pas longues parce qu'elles contiennent des principes. Il faut que les constitutions contiennent des principes, pas des institutions. On n'a pas besoin d'énumérer toutes les institutions qui sont constitutionnelles. Et la constitution ne vaut que parce qu'on la respecte. Or, les constitutions en Algérie, vous avez très bien fait. Vous avez très bien de le signaler. Il y a eu beaucoup de révisions de constitutions. Chaque fois qu'il y a un rapport de force favorable à quelqu'un, il révise la Constitution. Il faut parler de la volonté politique. Moi, je pense que c'est la volonté politique. Il y a eu une volonté politique, je dis, de faire des réformes après les événements d'octobre. Il a très bien reçu le message. Il a compris que les événements d'octobre, c'était l'expression d'un ras-le-bol, c'était l'expression d'une volonté de changement. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que pense que les événements d'octobre ont été organisés à l'intérieur du système, parce que c'est ne pas reconnaître à l'État l'intelligence. D'autres vous diront que le Hirak a été organisé. Non, le Hirak est un processus d'accumulation, de frustration, d'opposition, et qui a abouti au Hirak. Alors demain, on va donner la paternité du Hirak X ou Y. Je pense que les constitutions doivent être le fruit d'un accord politique global. Monsieur Rahabi, notre émission, la thématique de l'émission, c'est les enjeux géopolitiques. Vous avez parlé d'un certain nombre d'enjeux régionaux depuis le début de l'émission. En janvier dernier, précisément le 11 janvier, vous aviez posté un petit texte sur votre page Facebook. Je vais lire juste un extrait. C'est suite, justement, c'est un texte qui intervient suite à l'arrestation de Qadi Ihsan, le directeur de la DNA. Oui. Voilà. Vous disiez notamment, on n'a pas besoin d'être en accord avec les déclarations des uns et des autres pour soutenir leur droit à la parole dans un débat contradictoire et responsable. Oui. Et vous dites que notre propre expérience a montré que cela était possible. Il est par ailleurs illusoire de vouloir moraliser la vie sociale et politique et combattre la corruption en muselant les contre-pouvoirs et en négligeant la société civile. Donc, on est le 26 août, 9 mois plus tard, on ne peut pas dire que c'est Rahabi, que vous avez été entendu. Ou qu'est-ce qu'on fait? Lies, tout à l'heure, dans son intervention, il a évoqué le cas de
Raouf Farah, un Algérien qui a grandi ici, au Québec, qui a été formé au Québec, a resté attaché à l'Algérie, qui travaillait en Tunisie. Il est en prison depuis 6 mois, alors qu'il aurait pu aider, parce qu'on a fait plusieurs émissions avec lui, alors que des personnes pareilles auraient pu justement éclairer l'Algérie, les autorités algériennes, sur les enjeux régionaux qui sont nombreux autour de nos frontières. Qu'est-ce qu'il faut faire, Sir Habi? Est-ce qu'il faut rabâcher le même message et qu'il faut ouvrir, d'autant qu'il y a certains qui appellent à la constitution d'un front intérieur, d'autres, les hiérarchistes répondent, il n'y aura pas de front intérieur possible si on continue de fermer tous les espaces médiatiques, tous les espaces d'expression de la société dans le pays. Je regrette personnellement ce qui est arrivé à Qadi, que je connais très bien. Je connais son combat pour la liberté d'expression, je connais son engagement, je connais le parcours militant de sa famille, de son père. C'est quelqu'un que je connais bien. Il a beaucoup apporté à la liberté d'expression en Algérie. Il s'est beaucoup battu pour qu'il y ait des contre-pouvoirs. Le combat porte sur les contre-pouvoirs. La presse comme contre-pouvoir. Ça, c'est le problème de fond. Comment ouvrir en Algérie, aux Algériens, des espaces où ils viendraient exprimer leur position, où ils viendraient critiquer librement, sans risque de se faire poursuivre, la gouvernance du pays. Le débat se pose en ça. Moi, je ne mesure la volonté d'un gouvernement qu'autour de ça, autour de son compromis avec les questions de liberté individuelle et collective. C'est extrême. Aucune démarche politique. Les Algériens ne peuvent pas adhérer à une quelconque démarche s'ils ne sont pas libres. Je regrette que certains gouvernements ne l'aient pas compris, mais la question de la liberté d'expression est un point de rupture entre moi-même personnellement, dans ma vie, dans mon parcours politique, avec beaucoup de mes amis serviteurs de l'État. La question de la presse a toujours été une question très, très sensible au sein du gouvernement. Le gouvernement a toujours cherché à contrôler la presse, à contrôler quelque chose qui ne se contrôle plus dans le monde d'aujourd'hui. Nous sommes en train d'essayer de contrôler la presse avec des outils du siècle dernier. Les rotatives, la publicité publique, institutionnel qui est devenu un instrument de régulation, mais c'est un instrument d'enrichissement aussi. Hein. La NEP a enrichi beaucoup de gens, enrichi beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de directeurs de journaux complaisants, beaucoup de gens qui n'ont absolument rien à voir avec la presse, et elle n'a jamais constitué un sponsor à la liberté d'expression, alors que c'est sa mission. J'ai d'ailleurs, quand j'ai enlevé le monopole de la publicité institutionnelle à la NEP, 15 jours après mon départ du gouvernement, il a été remis. Donc, j'ai vécu une période dans laquelle il y avait une volonté politique réelle sous Orwell de laisser la presse faire son travail, juste avec l'arrivée du président Bouteflika, Allah yarhmou, ça a été le rideau de fer. La NEP est devenue une caisse, la caisse noire du gouvernement. Donc, vous voyez qu'en fait, revenir toujours à la volonté politique du premier dirigeant du pays, c'est extrêmement important parce que nous avons une constitution présidentialiste. C'est extrêmement important. Et c'est pour ça que nous-mêmes, quand nous voyons le président, quand il nous arrive de voir le président, nous lui demandons ça parce que nous savons que le président de la République peut faire quelque chose. Peut engager cette dynamique. Bien sûr qu'il y a de l'opposition. Il y a de l'opposition dans le système, il y a de l'opposition dans l'administration. Souvent, dans les oppositions, on vous sort des questions sécuritaires, parfois on vous sort des questions bureaucratiques, parfois on vous invente
des ennemis, parfois en vous avant des allégeances. Moi, je ne crois pas. Je pense que la presse est profondément patriotique. La presse, il y a des gens qui exercent un métier qui est pénible, qui est risqué. Qui est risqué. Et ça, c'est extrêmement important. Qadi Hassan s'est battu dans les moments les plus difficiles de la presse. Des moments les plus difficiles de la presse. Il a eu un courage extraordinaire. Pas seulement un courage intellectuel, un courage physique de le faire. D'autres l'ont fait aussi. J'ai eu le privilège d'assister à la naissance de la presse privée dans les années 90. J'étais porte-parole du ministère des Affaires étrangères à l'époque. Et donc, j'ai vu cette presse qui est passée d'une presse publique, des journalistes du Monde, de l'Ouattam, qui étaient quelques mois auparavant à Noujed, ceux qui ont créé l'Ouattam, ceux qui ont créé le Matin, ceux qui ont créé le Khabar, ceux qui ont créé le Soir d'Algérie, les premiers titres qui sont sortis en Algérie, venaient de la presse publique. Donc, il est possible, vous voyez que le génie du peuple algérien sortait des gens du secteur public, et en une année, ils montent des journaux et ils fonctionnent comme des journaux authentiquement libres, des espaces d'expression pour l'opposition, pour les plus pauvres d'entre nous, pour le Mahgorin. Donc, cela aussi est possible. Aujourd'hui, je regrette qu'on soit sous-représenté. Regardez, si vous prenez la proportion population-média, nous avons le taux le plus faible en Afrique du Nord et dans le monde arabe. Je ne parle plus des pays du Golfe parce qu'ils sont dans une autre dimension. Population, nombre de médias, c'est impressionnant le retard de l'Algérie. C'est quelque chose d'impressionnant. Alors là, en termes d'impact aussi, c'est impressionnant. Nous avons beaucoup reculé. Nos télés ne sortent pas de nos frontières, n'exercent pas un impact, n'exercent pas une attractivité sur le monde arabe. Nous n'avons pas un système national audiovisuel à l'étranger performant pour porter le message au Mali, dans les pays du Sahel. Parce que l'influence, c'est la présence. Pour être influent dans une région comme le Sahel, pour revenir à la question de la géopolitique, il faut être présent. Il faut être présent par ses radios, par ses infirmiers, par ses médecins, par ses commerçants, par ses centres culturels. Il faut être bien sûr avoir une armée puissante aux frontières. Et l'audiovisuel est extrêmement important. Or, nous n'avons pas l'audiovisuel algérien, le système national de l'audiovisuel algérien, n'est pas performant ni pour convaincre les Algériens, ni pour faire adhérer les étrangers à notre façon de voir le monde et de voir les conflits. Et en plus que le Sahel est extrêmement important, c'est la profondeur stratégique de l'Algérie. Parce que les rapports de force au sein du monde arabe ont beaucoup changé. Nous avions un poids au sein de la Ligue arabe quand il y avait le Front du Refus à l'époque, parce qu'on avait comme alliés Arafat, Saddam Hussein, le Syrien, le Yéménite, le Libyen, étaient les alliés de l'Algérie. Mais tous les alliés de l'Algérie se sont effondrés ou les pouvoirs ont changé. Et donc, aujourd'hui, ceux qui sont très influents dans la Ligue arabe, c'est les pays du Golfe. Mm-hmm. Et en plus... C'est Abdelaziz, vous avez exprimé des regrets, et d'ailleurs certains internautes réagissent à cela face à ce qui arrive à Qadi Hassan. Qadi Hassan qui a été condamné à 7 ans de prison, dont 5 ans ferme. Comment vous interprétez, cette arrestation, cette condamnation de côté? Elle est scandaleuse. Le synonyme, oui. Elle est scandaleuse, elle est inacceptable. Et elle procède d'une démarche du siècle dernier. On ne condamne pas quelqu'un à des peines privatives de liberté. Sur les questions uniquement liées à la liberté d'expression, je ne parle que de la liberté d'expression. Comme je l'ai dit sur mon post sur Qadi Hassan, je peux accepter toutes les opinions. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec moi que je le mets en prison. Pas seulement sur Qadi Hassan, mais dans tous les cas de liberté d'expression. Je suis contre toute forme de diffamation. Contre toute forme de diffamation, d'insulte, d'atteinte à l'image et à la réputation des gens. Malheureusement, en Algérie, ça se multiplie, ça se démultiplie.
et les réseaux sociaux sont devenus un espace où on s'incite plus qu'on échange des idées, et je le regrette. Je le regrette et pour ça, je vous félicite. Moi, je suis vos débats sur... On vous remercie. Kamel, on va faire un dernier tour avant de libérer Sir Abdelaziz Rahabi. Donc, une question rapidement, Kamel et Ilyas. Ça sera rapide, juste parce qu'on a parlé de système présidentialiste donc, qui est consacré dans la dernière constitution, renforcé plus dans la dernière constitution. Et M. Rahabi a dit que c'est le président, il a le pouvoir absolu sur l'armée, il décide de tout et tout ça. Mais ma première question, comment expliquer l'omniprésence du chef de l'état-major dans les médias? Si le président, il est le chef des corps d'armée et puis il s'exprime, pourquoi avoir le chef d'état-major qui s'exprime tout le temps dans la presse? Vous pouvez répondre, sinon... C'est la question que tout le monde se pose. Donc, si le président a les deux mains sur le volant, il ne doit pas y avoir deux autres. Donc, je pense qu'il faut que Mais pourquoi le chef d'état-major est sous l'autorité du chef de l'État? Le problème ne se pose pas vraiment. Mais sa présence dans les médias pose problème en tant qu'institution militaire qui s'exprime sur des questions. Je vais la lier avec une action... Avec un aspect de géopolitique, l'Algérie elle est menacée dans toutes ses frontières, donc Est, Ouest et puis Sud aussi, actuellement. Est-ce que c'est sorti de chef d'état-major pour, justement, vous avez déclaré qu'une armée doit avoir joué le rôle d'absorber la crainte des citoyens, c'est ça? Oui, mais ma lecture à moi, elle n'est pas en train d'absorber la crainte, elle est en train d'amplifier et de plonger le peuple dans l'angoisse, dans le saut. Est-ce que ça n'ajoute pas de l'angoisse au peuple quand on le bombarde à chaque fois des menaces qui viennent de l'extérieur, ou bien on veut le mettre dans la peur pour le ramener à s'allier derrière le président, derrière le système, pour... se refaire une base sociale, donc créer une sympathie, comme ils l'ont fait en 1963, la guerre des sables et tout ça. Voilà mes questions. Premièrement, la menace n'est pas virtuelle, elle est réelle. Oui. Elle est réelle. Sur les frontières. Elles sont réelles, mais pas que sur les frontières. Aujourd'hui, nous assistons à ce qu'on appelle les guerres irrégulières. Vous ne savez pas de qui vient la menace. Septembre aux États-Unis, ce n'est pas venu de l'Arabie Saoudite, c'est venu de citoyens qui ont fait ça, pas au titre de l'État. Il y a les règles régulières, il y a les nouvelles menaces qui ont changé de nature, et les menaces contre l'Algérie, c'est une réalité. Alors vous avez une frontière avec la Libye, où le pouvoir n'est pas entre les mains des Libyens, c'est entre les intervenants étrangers. Si le conflit perdure en Libye, c'est parce qu'il y a des acteurs étrangers, que la décision ne revient plus aux Libyens, qui sont des gens très sages, qui ont montré qu'ils pouvaient avoir une constitution, qu'ils pouvaient discuter avec eux, qu'ils pouvaient se mettre autour d'une table. Mais il y a tellement d'intervenants à nos frontières, je vous fais savoir. Deuxièmement, ce qui arrive au Sahel est une conséquence directe de ce qui est arrivé en Libye. L'armement est venu de Libye, les combattants sont venus de Libye quand Kadhafi a chuté. Je ne suis pas en train de justifier le régime de Kadhafi. Je vous dis seulement la chute de Kadhafi a entraîné un déplacement d'un armement lourd et sophistiqué vers le Sahel. Et les groupes qui avaient menacé à l'époque Bamako étaient venus de Libye. Donc c'est une réalité. Ça aussi. Donc si je donne les moyens à mon armée, si j'organise mon armée, si j'adapte mon armée aux nouvelles menaces, cela rentre premièrement dans la gestion des risques, parce que vous, comme citoyen, moi, comme citoyen, je rends responsable de l'armée de la protection des frontières. Et de toute façon, vous n'êtes pas dans un système de défense collective. Qui va assurer les frontières? L'OTAN? Nous ne sommes pas membres de l'OTAN. Structure politique, il n'y en a pas. Donc nous devons assurer la protection de nos frontières et la défense du territoire avec nos propres moyens.
avec notre propre stratégie, avec notre propre armement, avec nos propres hommes. Donc, la menace est réelle. Le Niger, elle est réelle. Et puis, il y a les nouvelles menaces. Est-ce que vous savez, vous devez savoir que le Niger a le taux de démographie le plus élevé au monde. Et qu'en cas de conflit, ou de sécheresse extrême, il y aura un flux migratoire massif sur l'Algérie. Nous avons 1000 km. Aucun pays ne peut garder les 1000 km. Les États-Unis, première puissance militaire et économique du monde, n'arrivent pas à gérer les 3000 km de frontières communes avec le Mexique. Nous devons gérer tous ces flux migratoires. Et ça, c'est un risque. Ça fait partie des risques majeurs aujourd'hui. Les flux migratoires sont devenus un outil de régulation diplomatique. On peut faire des pressions sur vous en vous envoyant des flux migratoires. Ça aussi, c'est une réalité. Ce qui se passe au Mali, il est aussi instable que le Niger. S'il y a une intervention militaire au Niger, qui va assumer les conséquences? C'est nous. Parce que les flux migratoires vont vers le nord, ils ne vont pas vers le sud. Donc ça aussi, c'est une réalité. Je ne pense pas que le rôle de l'armée ou le poids de l'armée nationale pose problème à la question. Le pouvoir politique charge l'armée de défendre les frontières et de défendre l'intégrité territoriale. L'armée demande qu'on lui donne les moyens, définit sa stratégie, et c'est le président de la République qui juge de ces missions-là. Le citoyen, détrompez-vous, le citoyen est sécurisé quand il voit qu'il a une armée forte, qu'il a une armée puissante. Le lien citoyen-armée est extrêmement important. Et cette mission d'absorber les craintes chez le citoyen, c'est la mission de toutes les armées du monde. Sécuriser le citoyen, c'est la mission de toutes les armées. Mais c'est la communication qui fait l'inverse, c'est ça? Je ne sais pas, vraiment, moi je ne suis pas beaucoup les problèmes de communication sur ces questions-là, mais pour vous dire seulement qu'en réalité, les menaces sont réelles. Nous sommes en train de parler de menaces apparentes, visibles. Il y a beaucoup de menaces qui ne sont pas, qui ne sont ni apparentes ni visibles, et qui sont aussi sournoises et aussi négatives. Négatives, les experts le savent mieux que moi. Je pense que ce n'est vraiment pas le débat de fond. Le débat de fond en Algérie, c'est l'économie et les libertés. À mon sens, personnellement, la justice, bien sûr, est un sujet qui, à mon sens, est important. Et aussi, il faut que nos gouvernants apprennent, je vous dis, comme je l'ai dit à l'introduction, apprennent à faire des choses avec les Algériens, pas pour les Algériens. Il faut associer les Algériens à tout. Parce qu'en réalité, associer les Algériens, Beledia jusqu'au sommet de l'État, c'est associer les Algériens à définir leur propre destin. Ce n'est pas de vœux pieux. C'est un projet de société. Le projet de société se constitue avec l'adhésion des Algériens. Rien ne se fait sans l'adhésion des Algériens. Mais ça, ça pose le problème de la gouvernance, comme dit Ilyes, ça pose le problème des pouvoirs en Algérie. Je pense personnellement que les sujets fondamentaux, aujourd'hui les crises ont démontré de toutes les façons que la gestion des crises géopolitiques demande une armée puissante, une économie puissante, une diplomatie performante, et renforcer le lien entre les institutions et le peuple. Ce sont des conditions indispensables pour affronter ces crises. Liette, pour ta dernière question. Alors, ma question, elle est composée de trois petites questions. Pour moi, comment je vois les choses, je commence par la presse libre, ce qu'on appelle le quatrième pouvoir, le contre-pouvoir. Par extension, vous savez très bien, M. Al-Habi, que le quatrième pouvoir regroupe tous les moyens de communication. Et pour, c'est ce qu'on appelle le quatrième pouvoir dans les États démocratiques, dans les États de droit. Pour s'opposer à quoi? Au pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Nous avons le pouvoir judiciaire, il est confisqué.
Nous avons le pouvoir législatif, ce n'est qu'une chambre d'enregistrement, c'est-à-dire que ce soit la chambre basse ou la chambre haute. Il nous reste le pouvoir exécutif, c'est lui qui donne les ordres et c'est lui qui fait, c'est lui qui valide les lois, ainsi de suite. C'est-à-dire, si on veut réformer un pays, si nous voulons vraiment que notre pays avance et vraiment des réformes, nous voulons pas, nous ne sommes pas contre l'armée nationale populaire. Parce que l'armée nationale populaire, elle ne doit pas être instrumentalisée. L'armée nationale populaire est le patrimoine du peuple. C'est la colonne vertébrale pour la défense du territoire national et de l'Algérie. C'est ça le rôle de l'armée nationale populaire. Mais elle ne doit pas être instrumentalisée à des fins politiques. J'ose dire, c'est-à-dire certains hauts gradés de l'armée, certains généraux qui font de la politique. Non, l'armée ne doit pas faire de la politique. Le job de l'armée, c'est autre que la politique. La politique doit être faite par des civils. C'est ça, c'est très important. C'est la raison pour laquelle le Hirak, quand il dit « Doula madaniya mashi askariya », ça ne veut pas dire qu'il est contre son armée, du tout, loin de là. Le premier, ça veut dire que nous voulons établir un état civil, un état de droit démocratique et de citoyenneté. Doula tahaq wa qanun wa adab. C'est ça la question. Donc, concernant, revenons à la presse libre. La presse, c'est-à-dire... Mais rapidement, Lias, s'il te plaît, rapidement. Ouais. Ce que je veux dire rapidement, comment solutionner maintenant, c'est-à-dire comment dire à je veux dire, aux généraux, moi je vais dire comme ça, peut-être c'est un peu brut de décoffrage, si vous me permettez cette expression, de dire aux hauts dirigeants de l'armée nationale populaire de se retirer et de laisser la politique aux civils et de restituer la souveraineté au peuple de décider de son propre destin. Et pour finir rapidement, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, parce que voilà, il y a Arab qui me le demande gentiment. Qu'est-ce qui se trame pour les élections de 2024? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que M. Tebboune va se représenter? Est-ce qu'il y a un autre candidat qui va être choisi par un clan A ou pour un clan B? Est-ce qu'il y a un plan B? Est-ce qu'il y a un plan C? Est-ce que vous-même, M. Rahabi, vous allez vous représenter? Est-ce que le Hirak, il prône, enfin, certains voix du Hirak, ils disent il nous faut ce qu'on appelle un candidat consensuel. Donnez-nous votre aperçu. Merci. Merci. Alors, je peux vous assurer qu'à Alger, le climat n'est pas du tout à 2024. Les gens n'évoquent pas ça. Je ne sais pas ce qui se passe chez les hommes politiques, mais le climat à Alger est plutôt à des conditions de vie sociale difficiles, l'inflation, un été chaud, des incendies, la rentrée scolaire bientôt. Je ne connais pas vraiment les intentions du président de la République. Il est mieux qualifié pour moi pour en parler. Mais je ne pense pas que les Algériens soient aujourd'hui, au moment où on se parle, inscrits dans une perspective, dans la perspective de... C'est pourtant dans à peu près un an, c'est Abdelaziz, l'échéance de la présidentielle de 2024. Dans un pays normal, on serait en train de la préparer. Peut-être que ceux qui sont intéressés sont en train de la préparer, j'en sais rien, ou les partis, j'en sais rien. Mais en général, d'après l'expérience algérienne, les élections ne commencent 6 mois avant l'échéance, pas avant. Et je vous dis vraiment sincèrement, politiquement, en ce moment, ce n'est pas une priorité. Ici à Alger, on n'est pas dans cet esprit-là. C'est beaucoup plus ce qui se passe au Niger. Je regrette qu'il y ait eu un débat sur les BRICS, mais c'est surtout ce qui se passe au Niger, l'inflation, la vie de l'Algérie est devenue difficile, mais pas la perspective des élections. Est-ce que vous pensez que le débat sur la présidentielle va finir par s'imposer parce qu'il y a une échéance, comme je le disais? Vous êtes connu comme un homme de dialogue.
On le disait en introduction, vous avez présidé Mazafran 2, vous avez présidé les assises de la société civile à Ain Bien en 2019. Il y a beaucoup d'internautes qui vous posent la question, est-ce que ça vous intéresserait? Est-ce qu'il y a des conditions pour cela? Est-ce qu'il y a un changement, s'il y a l'ouverture du champ médiatique et du champ politique, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait intéresser Si Abdelaziz Rahabi, ou est-ce que c'est exclu parce qu'on n'en est pas là, notre pays a d'autres préoccupations, d'autres enjeux plus importants? Non, je dis surtout, c'est trop tôt pour en parler. Je pense que l'agenda aujourd'hui à Alger n'est pas à ça, vraiment. N'est pas au présidentiel 2024. Je vais reformuler la question de Rabat. Est-ce que les gens n'en parlent pas publiquement ou ils chuchotent dans les salons sur la question? Ah, je ne sais rien, je ne fréquente pas beaucoup les salons. Je ne sais pas vraiment. Je sais, ce que je sais vraiment sincèrement, c'est que les gens sont préoccupés plus par leur quotidien. Parce qu'on revient, vous l'avez tous dit aussi bien, Rabat, que Kamel, que Niès, que la préoccupation des Algériens, c'est l'économie, c'est le problème de fond, c'est la qualité de vie, c'est le niveau des libertés. Pourquoi le PIB est aussi bas avec tout le potentiel que nous avons? Pourquoi les Algériens ne parlent pas librement chez eux? Et ça, c'est, à mon sens, c'est fondamental dans le débat. Et là, ce n'est pas un débat conjoncturel comme les élections présidentielles, ça arrive. Ce que je regrette, par exemple, je regrette que le système, l'organisation des élections algériennes, je l'avais proposé dans la lettre que j'avais envoyée au président de la République, j'avais suggéré, sur la base d'une expérience à l'international, d'éviter de faire de sorte que le pays soit réglé sur les élections. C'est-à-dire, nous organisons les élections présidentielles, donc tout est paralysé pendant 6 mois, 8 mois. Après, nous organisons les élections législatives, après, nous organisons les élections communales. Donc, nous avons un agenda réglé essentiellement sur les élections. En 5 ans, vous avez 3 élections éloignées. Pourquoi ne pas faire comme beaucoup de pays mettre ensemble les élections législatives et les élections municipales, ou bien faire comme beaucoup de pays mettre ensemble les élections présidentielles et les élections parlementaires? Je regrette que le pays ait exclusivement des agendas électoraux. La preuve, nous n'avons pas parlé de défis économiques, arriver à 5 millions de tonnes d'acier ou arriver à devenir une puissance émergente. Ça nous prendra une autre émission avec vous, Sir Habib, Inchallah, pour parler de Inchallah, ça. Inchallah, mais est-ce qu'on peut dire que vous êtes inquiet, Sir Habib, quand vous voyez les enjeux, les menaces qui pèsent sur l'Algérie, la conduite de certaines politiques en matière de liberté d'expression, en matière économique aussi, vous insistez sur l'aspect économique. Est-ce que vous êtes inquiet ou pas? Je suis préoccupé pour la question économique, vraiment, vraiment. Je ne suis pas inquiet pour les questions de défense, vraiment, de mon pays. Mais ce que je regrette, c'est que je ne vois pas un niveau de conscience élevé sur les risques sur la sécurité du pays. Tout le discours qu'on entend dans les médias publics, c'est un discours qui ne reflète pas une connaissance ou une maîtrise de la réalité internationale, des véritables menaces qu'il y a. Parce que les menaces sur les États, on réalise qu'il y a une menace sur un État que lorsqu'elle arrive à cet État-là, c'est ce qui est arrivé en Irak, ce qui est arrivé en Syrie, ce qui est arrivé en Libye. Il faut aller dans l'anticipation, avoir une lecture plus que pragmatique, une lecture plus mondialisée. Je regrette que mon pays soit très peu mondialisé. Ça, je le regrette, bien sûr, que je le regrette beaucoup. Mondialisé, dans quel sens est-ce que vous en regrettez tout, l'absence En tout, nous avons un lien très éloigné avec le monde. Regardez le niveau d'ouverture, les médias. Allez dans les rues d'Alger, entrez dans un kiosque, il y a très peu de journaux, il y a très peu de titres.
Mais les médias algériens, pas de revues, médias internationaux. Mais les médias algériens parlent plus du renforcement de la diplomatie algérienne. Ils parlent de la présence algérienne sur la scène internationale. Je ne sais pas. C'est, ah oui, mais il faut reconnaître quand même. Moi, c'est la seule administration dans laquelle j'ai travaillé longtemps, le ministère des Affaires étrangères. Il est servi par des diplomates de qualité qui ont une grande expérience. Vous savez, nous avons hérité de la diplomatie de nos aînés, la diplomatie de la guerre de libération, mais c'est cette diplomatie-là qui a géré les dossiers d'ordre international, nouvel ordre international qui est devenu aujourd'hui le BRICS. Cette diplomatie-là qui a porté le message de l'Algérie pendant les années du terrorisme, de crise politique et sécuritaire et politique de l'Algérie. C'est une diplomatie qui a beaucoup reculé sous Bouteflika, parce que Bouteflika s'est identifié lui-même à la diplomatie. Regardez, par exemple, nous avons reculé en Afrique. Bouteflika n'a pas effectué une seule visite officielle en Afrique. Bilatérale, je parle pas d'une EHPAD, qui est un collectif. Il a fait une ou deux réunions d'une EHPAD, mais pas une seule visite. Chedli avait visité 32 pays. Le président Zarwell, en pleine crise politique et sécuritaire, a visité tous les pays du Sahel. Il faut être présent, il faut visiter, aller chez les gens, leur accorder de la considération. Alors que c'est notre... Donc, bien sûr que nous avons reculé. Nous avons annulé les dettes de plusieurs pays sans aucune condition. Nous avions des experts, nous avions des médecins en Afrique subsaharienne, on n'en a plus. Il faut qu'on ouvre aussi des think tanks sur le Sahel, sur l'Europe, sur le terrorisme, sur le Maghreb, sur les questions du Moyen-Orient, sur les questions qui ont un impact sur nous. Et c'est, bien sûr que je regrette que la diplomatie ait reculé en Afrique pendant les 15, juste après la maladie du président Bouteflika, qui n'a plus la capacité de se déplacer, qui est délégué des représentants à l'étranger. Nous avons beaucoup reculé. La diplomatie, c'est de la présence aussi. C'est beaucoup de présence, beaucoup d'influence. Yatik Saha, c'est Abdelaziz Rahabi. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir. Je saisis cette occasion pour saluer la communauté algérienne au Canada. Au Québec, au Canada, oui. Au Canada, et lui souhaiter tout le bien. Merci beaucoup. Merci Kamel. Merci Elias. Merci à tous les internautes qui ont... regardez cette émission, qui l'ont commenté pour beaucoup d'entre eux. On a dû supprimer quelques commentaires négatifs, c'est des qui relevaient des insultes ou du terrorisme comme on l'appelle ici, parce qu'il ne concernait pas les sujets liés à l'Algérie, mais globalement. Donc, on a eu plusieurs commentaires. Intéressant. N'hésitez pas à partager donc le live de cette émission, soit via donc notre chaîne YouTube, soit via donc la page Facebook. Demain, on a un autre rendez-vous sur Alterna TV. On a une thématique sur les travailleuses domestiques. Si Abdelaziz Rahabi, on reçoit la présidente pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient de la Fédération internationale des travailleuses domestiques, et avec deux intervenantes, des travailleuses domestiques au Liban qui viennent d'Afrique, d'après les quelques discussions que j'ai eues avec la représentante de la Fédération des travailleuses domestiques. Ça relève les conditions de travail, c'est de l'esclavagisme. Donc on va parler de ça demain dans une émission à Alterna TV en début de soirée. Merci encore, Si Abdelaziz, et j'espère qu'on vous recevra très bientôt sur une autre thématique, pas l'économie et d'autres défis qui concernent donc notre pays. C'est moi qui vous remercie. Merci. Salam.